Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Comment est-ce que vous vous portez? Première chose, dites-moi, est-ce que vous m'entendez très, très bien déjà? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Je vais voir si j'ai pris le meilleur son là. Je revérifie rapidement l'audio pour voir. Je pense que ça a l'air d'aller. Je pense que là, ça a l'air d'aller. Est-ce que là, c'est mieux? Vous entendez bien? Parce qu'il faut que vous m'entendiez bien aujourd'hui, là. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, quand je suis à Abidjan, je brille, hein, vous voyez. Ça, c'est l'effet d'Abidjan, ça. Quand je suis à Abidjan, je brille, les amis. Abidjan, c'est chic. Ok, vous entendez bien. Allez, hello à tout le monde. Ça fait longtemps, on ne s'est pas parlé, les amis. Aujourd'hui, on va pouvoir se parler un peu. C'est vrai, ça fait longtemps. Je suis très content de pouvoir vous voir aujourd'hui. Je pense que vous arrivez à entendre. Super, vous entendez très bien, super. Donc, est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires d'où est-ce que vous vous connectez? Les amis, ça fait quelques semaines, on ne s'est pas parlé. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en cours, beaucoup de projets sur lesquels je suis. Voilà, c'est pas évident, mais on va s'en sortir, d'accord? On va essayer de faire de belles choses. Aujourd'hui, on va parler d'un projet en particulier qui intéressera énormément de personnes. Et puis, je vais brosser quelques autres projets que vous puissiez un peu voir. Et vous allez voir que bah, l'Afrique, ça bouge. En tout cas, moi, à chaque fois que je suis à Abidjan, je brille, quoi. Abidjan, c'est trop chic. Abidjan, c'est la meilleure ville au monde, en tout cas. Donc, dites-moi rapidement d'où est-ce que vous vous connectez, que je puisse voir un peu les différentes personnes. Il y a Maurice du Gabon, super. Il y a pas mal de personnes d'Abidjan. Je vois Angrier, 8e tranche. Les gens ont déjà les... Il y a... Ignace Vonon qui a la Palmeraie. Comment intégrer le club business? Je vois déjà ça là. Ok, France, Milan, Cocody, Abidjan et Edo, super, Birmingham. Ok, bon, je vois un peu d'où est-ce que vous vous connectez pour la plupart. De Paris pour Philippe David. Et Anne à Abidjan, USA et tout. Ok, parfait. Keina. Bon, je vois que vous vous connectez d'un peu partout, du Luxembourg, du Canada, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, ça c'est bien. Des 18 montagnes de la Côte d'Ivoire, du Mali et tout ça, super. En tout cas, les gars, bienvenue. Moi, la semaine, ça a été. C'est bientôt les vacances là. Je crois qu'on a déjà fait, on est quoi? On est le 3, si je ne me trompe pas aujourd'hui, on est le 3 juillet, c'est ça? On est le 3 juillet. Vous imaginez, il y a 6 mois qui sont déjà écoulés. 6 mois qui sont déjà écoulés. De l'année 2022. Hein, les amis? Qu'est-ce que vous avez réalisé pendant les 6 premiers mois de l'année? Où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de toutes les résolutions que vous avez prises? Où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de toutes les résolutions que vous avez prises? En fait, on est là un peu pour faire un petit bilan. On parlera du business de taxi, ne vous en faites pas. Au-delà du taxi, c'est plus Yango. On va parler de tout ça. Je vais vous donner la parole pour que vous puissiez poser vos questions. On parlera aussi du club business, c'est important. Il y a pas mal de personnes qui veulent rejoindre le club business, qui ont des questions sur le club business, mais à quoi sert le club business? Pourquoi intégrer le club business avant de pouvoir investir? On parlera de tout ça. Et je pense que vous allez pouvoir comprendre très bien. Résolution 5 sur 10. Qui parle de résolution 5 sur 10 là? Ah ok, oui, vos résolutions de l'année. Ok, on va revenir dessus. Donc dites-moi, sur une note sur 10 déjà, une note sur 10, où est-ce que vous en êtes avec vos résolutions de l'année? Déjà, est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires, c'était quoi vos résolutions de cette année? C'était quoi vos résolutions de cette année? Merci, je suis devenu l'homme aux cravates. C'était quoi vos résolutions de cette année? Pourquoi la lumière n'est pas blanche là? Je pense que c'est à cause du dehors. Je parlerai beaucoup du club. On parlera du club aujourd'hui. Je vais répondre à toutes les questions que vous avez sur le club. Je sais que les gens se demandent pourquoi j'ai créé le club et tout. On parlera de tout ça. Donc, sur une note sur 10, où est-ce que vous en êtes dans vos résolutions? Je vois Benny Emmanuel qui met 3 sur 10, Jonathan 5 sur 10. Ah, tu as réalisé la moitié de tes résolutions. C'est déjà pas mal, Jonathan. Donc, où est-ce que vous en êtes dans vos résolutions de l'année? Pour les plus courageux, vous pouvez même me dire quelles étaient vos résolutions. Et vous connaissez la règle, les amis.
quand vous venez ici, il faut partager le live. Vous voulez que je vous demande de mettre les cœurs? Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Et puis partagez le live. En fait, quand vous partagez le live, ça permet tout simplement à YouTube de pouvoir davantage partager le live à plusieurs autres personnes pour qu'il y ait plus de personnes qui viennent se connecter pour entendre tout ce qu'on a à dire. Je sais si c'était une vidéo de béret, si je venais ici pour parler de la vie des gens, il y aurait trop de personnes aujourd'hui. Mais quand on parle de business, de gagner de l'argent, là, tout de suite, il y a forcément très, très peu de personnes. Donc, cette année, tu devais te marier, c'est fait. Super, Yacinthe. Il y a Christian qui doit rentrer au pays investir. Christian, où est-ce que tu en es? Il y a Docteur Kwasi qui devait faire un investissement immobilier. Il a réalisé la moitié. Nouvelle abonnée, salut à toutes les nouvelles abonnées et aux nouveaux abonnés. Bienvenue ici. Ici, on parle de business, on parle d'argent, on parle de retour en Afrique, on parle de vivre en Afrique. Je pense que c'est les thématiques qui vous intéressent tous. Donc, il faut liker le live, les amis. Il faut liker le live. Il faut liker le live et surtout, il faut le partager. Il faut liker le live. Youssouf, c'est une très bonne idée, ça. Youssouf, tu veux arrêter l'alcool? Youssouf, c'est un homme musulman, non? Donc, arrêter l'alcool pour commencer à épargner pour investir en Côte d'Ivoire pour la retraite dans 5 ans max. Ça, c'est super. Ça, c'est super. Salut Abou, comment vas-tu? C'est vrai que ça fait longtemps. Hein? Je pense qu'on va... Comment vas-tu? C'est bien, je retrouve quelques anciens visages. Ça me fait plaisir. On a terminé le premier semestre 2022. Moi, je fais mon bilan et je me rends compte que y a pas mal de choses qui ont été déjà réalisées. Il y en a beaucoup d'autres à réaliser. Et c'est important de faire des bilans comme ça, périodiques, pour savoir où est-ce que vous en allez. Où est-ce que vous allez, quoi. Est-ce que vous êtes assis par terre pour vos objectifs? Est-ce que vous en avez réalisé quelques-uns? Où est-ce que vous en êtes? C'est important de faire un bilan à mi-parcours de l'année. Comme ça, vous avez encore la deuxième moitié de l'année pour rattraper tout ça. Les amis, c'est important. Il faut savoir où vous partez et surtout, il faut réaliser les objectifs que vous êtes fixés. Hein. C'est très important. C'est très, très, très important. On aura le temps de faire un autre live où on parlera de ça. Là, je vais essayer d'avoir quelques temps. Je vais essayer de mettre quelques temps de côté pour qu'on puisse parler de ça. Aujourd'hui, on va parler Ah, il y a Patrick qui prépare sa retraite pour 6 ans. C'est bien ça. Et qu'est-ce que tu as réalisé jusque-là, Patrick, pour ta retraite? Tu dois avoir plusieurs appartements, des terrains, des business qui génèrent pas mal d'argent. Béni de Dieu, c'est une très bonne idée, le business de la livraison. J'en parlerai là, mais c'est une très bonne idée. Il y a des gens qui se font pas mal de blé, d'argent avec ça. Ils achètent une moto, ils trouvent un livreur et le livreur livre, quoi. Ici à Abidjan, par exemple, si vous utilisez Glovo ou même Yango, c'est 1 000 francs la course à peu près. Il y a des gens qui arrivent à générer 10 000 francs CFA par jour. 10 000 francs CFA par jour. C'est un très bon business, ça. Hein. Moi, je suis sur le business des Yango, des véhicules, mais le business des motos aussi, ça marche bien. Ça marche vraiment bien. OK, il y a des gens qui veulent des conseils pour les terrains. On va parler des terrains. Je ne sais pas si on parle ici. Aujourd'hui, on va plutôt parler des taxis. OK, on va parler des business de Yango. Yango, c'est une application qui permet à des particuliers de réserver des véhicules, des VTC, pour pouvoir effectuer des trajets. Donc, c'est très répandu ici à Abidjan. Il y a pas mal de personnes qui veulent investir dedans, des personnes de la diaspora, des personnes même qui vivent dans d'autres pays africains. Donc, on parlera de ça. On parlera aussi du business club. D'accord? Donc, qui est intéressé par le business des taxis déjà? Le business de Yango, du taxi. Dites-le moi dans les commentaires, que je sache un peu combien de personnes sont intéressées par ça. Qui est intéressé par le business de taxi de Yango? Qui est intéressé par le business de taxi de Yango? Donc, il y a Junior, il y a Iconic, Ernest Legrand, Stéphane, je devrais dire. OK, béni de Dieu, très intéressé, ça me parle de plus en plus. Basile Edmond, Ernesto, qui est intéressé? Ah, mais je...
Ah, Gladys, c'est vrai qu'acheter un appartement, ce n'est pas facile. Hein. Bravo à toi, Gladys. Bravo à toi, Gladys. Je vais finaliser l'achat d'un appartement en France. C'était l'un de tes objectifs, mais c'est vrai que c'est stressant. Donc, la question pour vous, c'est qui est intéressé par un business de Yango ici? Super. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de personnes. C'est cool, les gars. C'est cool, les gars. Je vais vous expliquer rapidement à quoi, c'est quoi le plan. Comment est-ce qu'on compte le faire? Je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que dans le club business, c'est l'objectif. On en parle vraiment en long et en large. Et je pense que vous comprendrez après. Vous comprendrez après. On a mis un peu tous les garde-fous pour pouvoir assurer qu'il n'y ait pas d'arnaque et tout ça. Je vous expliquerai dans cette vidéo. Bravo à Gladys. En tout cas, nous, on aime célébrer ici les victoires des gens qui passent à l'action et qui investissent pour atteindre leur liberté financière. C'est ce que Gladys a fait. Même si ce n'est pas évident, mais au moins tu es passé à une très bonne étape, quoi. On aura le temps de faire un exercice où chacun dira un peu ce qu'il a fait. Bon, pour les taxis, pour les Yango, c'est simple. Moi, je me suis lancé déjà rapidement pour vous faire un peu, rapidement pour vous faire un peu la généalogie des faits ou l'historique. Moi, en 2012, je me suis lancé sur les taxis. C'est vraiment en 2012 que je commence le business des transports. Je sais que c'est un business qui génère beaucoup d'argent, pas mal. Donc, je me suis lancé en 2012 au Gabon. Je pense que vous connaissez déjà toute l'histoire. Donc, quand je me lance avec un ami gabonais et un ami rwandais. J'avais déjà les pensées panafricanistes. Je me disais, moi, je n'ai pas besoin spécialement d'investir dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Je peux investir dans tout pays parce que bah, l'Afrique, écoutez, ça nous appartient à nous tous, quoi. Donc, on a commencé au Gabon. On a investi dans 10 taxis. Moi, j'ai investi 30 000 euros. En réalité, comment ça s'est passé? C'est que moi, j'avais un très bon boulot. J'étais payé à l'époque à peu près 2 500, 2 700 euros par mois. Donc, j'avais la possibilité de prendre un prêt bancaire. À l'époque, on nous disait, bah, ceux qui gagnent plus de 2 500 euros en France, c'était en France, eux, ils font un peu partie de la crème. C'est des gens qui ont un autre standard de vie et tout ça. Donc, mes deux amis, ils avaient des boulots. Ils gagnaient un peu moins que moi. Donc, on fait tout le plan. On a fait un business plan. On va prendre 10 véhicules. On va aller en Belgique, on va acheter les véhicules et puis ensuite, on va rentrer au Gabon et tout ça. Donc, moi, je pars voir la banque et je prends 25 000 euros de prêt. Et quand je prends ce prêt-là, je dois rembourser à peu près 30 000 euros sur 5 ans. On va en Belgique, on achète 5 voitures. Les vieilles France au revoir, là. On achète une première fois, on envoie. Je crois que l'envoi à l'époque, c'était 500 euros par voiture. On achetait 2 000, 2 000, 2 000 euros les voitures. 5 voitures, voilà, on en a acheté 2 000. Puis on a fait partie les autres voitures, puis on a pris des prêts à côté pour pouvoir ajouter. On fait partie les voitures, elles sont déjà vieilles, elles sont fatiguées, on les immatricule, et puis le taxi commence. Pas de bol, on a des gestionnaires qui étaient là-bas, au Gabon, à Libreville, qui ont essayé de vendre les premières voitures qu'on a envoyées, je vous assure. On envoie les voitures arrivent, on les dédouane et tout, les voitures commencent à rouler. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris quelqu'un, un ami. Un ami qui vivait là-bas à Libreville pour qu'il puisse gérer les taxis. Le gars derrière notre dos, il a essayé de vendre la première voiture qu'on avait envoyée. Je me demande jusqu'à présent pourquoi, mais c'était juste l'appât du gain. Okay? Il essaie encore. En fait, il essaie de vendre. Il n'arrive pas à vendre, mais comme c'est un ami, on lui pardonne. Et quelques mois plus tard, il essaie de vendre les deux autres voitures encore, donc ça devenait compliqué. On envoie toutes les 10 voitures et là maintenant on rentre dans un cycle de panne. Les voitures tout le temps sont en panne, tout le temps en panne, tout le temps en panne. Et à un moment donné, bah, du coup, on a un garagiste qui on envoie les voitures. Hein. Mais on se rend compte que les chauffeurs s'entendent avec le garagiste pour inventer des pannes parce qu'on investit à distance. Donc, je vous raconte pas tous les détails, mais il s'avère que bah, le business tombe à l'eau. On ne gagne pas du tout d'argent avec parce que tout l'argent que on récupère des chauffeurs, bah, cet argent-là rentre dans les pannes, ça rentre dans ci, ça rentre dans ça. Et pas de bol, bah, on a inclus aussi les parents, la famille de mon ami gabonais. Bah, quand il y avait un problème, ils se servaient dans la caisse. Bref, dans ce business-là, j'ai fait toutes les erreurs qu'on peut faire dans les transports. Toutes les erreurs possibles. Donc, fort de cette expérience, et moi j'aime bien dire, hein, bon, il n'y a pas en réalité d'échec, ça a été une très très bonne leçon. Ça m'a permis après de savoir exactement ce qu'il ne faut pas faire quand on lance un business de transport. Vraiment.
après avoir remboursé 30 000 euros pendant 5 ans, payer cette dette-là, je sais exactement ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Donc, après, j'ai lancé ici encore en 2015 un autre business de taxi ici à Abidjan. Ça, je n'avais pas fait les mêmes erreurs. Ça marchait plutôt bien. J'ai partagé une vidéo dessus dans laquelle je racontais tous les détails de comment est-ce que ça se passait. Mais j'étais sur d'autres projets. Je devais quitter la France pour partir à Dubaï. Donc, j'ai préféré vendre les voitures pour passer à autre chose. Et là, récemment, là, depuis septembre de l'année dernière, j'ai découvert Yango, cette application qui permet de... Voilà, j'ai découvert Yango, cette application qui permettait de pouvoir louer des voitures pendant un certain temps, pendant le trajet. Et je pense que c'est ce qui manquait pour le business des taxis. Pourquoi? Parce que quand vous prenez les taxis, là, les chauffeurs, ils roulent n'importe comment. Quand vous prenez les taxis, c'est compliqué. Vous comprenez, c'est compliqué. Les gens, ils ne sont pas agréables du tout. Les taximans, bah, ils vous donnent tous les prix qu'ils veulent. C'est vraiment celui qui arrive à bien négocier, qui arrive à s'en sortir. Donc, quand l'application arrive, je me dis, ça, c'est génial, ça va régler pas mal de problèmes. Donc, je décide de réinvestir et de partir doucement, doucement. Donc, j'achète deux premiers véhicules, j'en ai déjà parlé. Aujourd'hui, un véhicule me rapporte 400 000 francs CFA, quand tout va bien, quand il n'y a pas de panne et tout. Et puis, deux véhicules, bah, 800 000 francs CFA. Là, récemment, j'ai pris un autre véhicule, un troisième véhicule, neuf. J'ai fait une vidéo où je vous ai expliqué ça. Et donc, le troisième véhicule aussi, bah, il a commencé à rouler mercredi de la semaine dernière. Et ça se passe plutôt bien. Donc, plusieurs d'entre vous sont venus me voir pour me dire, mais Jean-Yves, on veut aussi investir avec toi. On veut investir dans le business des transports. Comprenez que le business des transports, c'est un business très juteux. C'est un business très, très juteux. En fait, quand vous commencez à investir, quand vous commencez à investir dans un business, quand vous avez une seule source de revenus, investissez toujours dans quelque chose qui va vous rapporter de l'argent maintenant, dans un business qui génère du cash. OK? Parce qu'il y a des gens là, ils n'ont pas plusieurs sources de revenus. Ils n'ont qu'une seule et ils vont acheter tout de suite des terrains en se disant que le terrain va prendre de la valeur. Parfois, c'est des terrains en forêt et tout. C'est bien d'acheter des terrains. Mais pensez d'abord à investir dans un business qui va vous générer du cash. Et c'est ensuite cet argent-là que vous allez prendre pour acheter tous les terrains que vous voulez. Moi, c'est exactement ce que je fais et c'est ce qui me permet d'acheter tous les terrains. Je vous montrerai d'autres terrains la semaine prochaine et tout. Donc, le business de transport s'y accorde très bien, s'y prête très bien. C'est un business où chaque jour, il y a de l'argent qui rentre. Chaque jour, là, il y a l'autre, comment ça s'appelle? Il y a les chauffeurs qui m'ont viré l'argent de la semaine. Et chaque jour, il y a l'argent qui rentre. Et c'est en ça que c'est un business intéressant. Maintenant, comme tout business où il y a du cash qui passe par les mains des gens, forcément, 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 voilà, il peut y avoir quelques petits soucis. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place un système qui permet vraiment d'éviter que on se fasse arnaquer. Et le système, c'est quoi? C'est de faire en sorte que l'argent ne reste pas longtemps avec les chauffeurs. Okay? Donc, chaque 2-3 jours, les chauffeurs me font un virement par Mobile Money. Ici, en Côte d'Ivoire, on a Wave. Ici, en Côte d'Ivoire, on a Awa Traoré. Tu pourras poser toutes tes questions. Je vous donnerai le lien. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Le but, là, c'est de répondre à toutes vos questions. Que vous sachiez un peu comment ça va se passer, hein, comment ce business va se passer. Donc, ils me font des virements, ils me font des transferts d'argent par Wave, par Mobile Money, par Orange Money, par MTN Money, en tout cas, j'ai tout. Comme ça fait que l'argent ne reste pas du tout dans la main des chauffeurs. Ça, c'est un grand truc. Et puis, deux, bah, il ne faut pas acheter des véhicules malades, quoi. Hein. Vous voulez lancer un business de taxi qui demande beaucoup de kilomètres. En gros, les taxis, ils roulent toute la journée. Ils roulent pendant des jours, pendant des heures. Et vous achetez une vieille voiture, mais la voiture ne va pas tenir sur la route. Il y a des taxis, là, quand vous rentrez dedans, vous-même, vous vous dites, mais punaise, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des épaves, de vraies épaves ambulantes. Donc, achetez un véhicule neuf. Je sais, c'est beaucoup d'argent, mais au moins, ça va vous faciliter la tâche. Par exemple, le véhicule Suzuki Désir que j'ai acheté récemment. Écoutez, c'est neuf. Donc, pendant 3 ans, j'ai la garantie constructeur. Peu importe ce qui se passe, je suis tranquille. En plus, j'ai pris une assurance tout risque. Tout ce qui se passe sur la voiture, l'assurance me rembourse. Donc, je mets double protection. Et après, la voiture roule. Chaque jour, c'est 20 000 francs. Comment ça se passe? Je vois qu'il y a des gens qui se posent cette question. C'est simple. Je prends un chauffeur. Le chauffeur, je lui donne le véhicule. Les chauffeurs en qui j'ai confiance, le véhicule même dort avec eux pour faciliter beaucoup de choses. Aujourd'hui, je n'ai pas encore vraiment
d'espace où je fais garer les véhicules. Maintenant, quand on va atteindre les 10 véhicules, les 100 véhicules, on va penser à ça. Parce que ce que certains font, ceux qui gardent le véhicule chez eux ou quelque part dans un parc, le chauffeur le quitte chez lui, le matin très tôt, il vient, il prend le véhicule, il va conduire et il revient, il dépose le véhicule. C'est continué. C'est vraiment compliqué. OK? Donc, ce que moi, je propose, parfois, le véhicule reste avec le chauffeur, les chauffeurs en qui j'ai confiance. Et mes chauffeurs, comme c'est très, très, très important d'avoir la confiance, je leur laisse la voiture, mais je check quand même la voiture. Donc, ils gardent la voiture. Une fois par semaine, tous les samedis soirs, ils viennent déposer la voiture au parc pour que je regarde comment la voiture a quand je dis je, un membre de l'équipe ou moi, on regarde l'état des voitures. Et il y a le garagiste qui fait quelques petits checks pour se rassurer que la voiture est toujours en bon état. Et puis, ça repart. Donc, la garantie constructeur, c'est 3 ans ou 100 000 km. Maintenant, il faut dire que 100 000 km, ça arrive aussi assez vite si la voiture roule beaucoup. Mais voilà, c'est au moins 1 à 2 années tranquille. Est-ce que ça, c'est clair? Donc, en termes d'argent, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la voiture va vous rapporter 20 000 francs par jour. En gros, le système qu'on utilise, du lundi au vendredi, le chauffeur conduit pour le propriétaire du véhicule. Donc, c'est 20 000 francs par jour, du lundi au vendredi, ça fait 100 000 francs par semaine, ça fait 400 000 francs par mois. J'ai envie de dire de façon totalement passive, en fait. Quand vous avez trouvé un bon chauffeur et un bon gestionnaire, moi, je suis tranquille, je fais mes autres business et 400 000 francs rentrent par véhicule. Avec 3 véhicules, ça me fait 1 200 000. Tranquille, vraiment paisiblement. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est le chauffeur qui met l'essence. Avant de remettre la voiture au chauffeur, vous mettez la première. Vous faites le plein une fois et après le chauffeur conduit, c'est lui qui gère l'essence tous les jours. Il gère tous les problèmes qu'il y a. Vous n'intervenez sur la voiture que quand il y a des problèmes compliqués. Vous intervenez pour faire la vidange et puis vous intervenez s'il y a la plaquette de frein à changer, des choses comme ça. Là, vous intervenez. Mais pendant la première ou la deuxième année, c'est plutôt tranquille, il n'y a pas trop ce genre de problème-là. Et s'il y a un accident, vous vous arrangez avec l'assurance, quoi. Donc le chauffeur, il conduit du lundi au vendredi pour moi. Le samedi, il conduit pour lui. Et le dimanche, le véhicule se repose. Moi, je tiens à ce que le véhicule se repose quand même. Il y a des gens qui font rouler les véhicules tout le temps, mais moi, je préfère que les véhicules se reposent. Comme ça, au moins, voilà, ils peuvent se régénérer, quoi. Et donc, voilà un peu le business. Maintenant, quand je dis business clé en main, comment ça se passe? Aujourd'hui, j'ai deux options. Et on va voir l'option qui va plus arranger tout le monde. J'ai deux options. OK, on va parler de cette histoire d'épargne-là. Hein. Aujourd'hui, il y a deux options pour investir dans les taxis ou dans les Yango. Soit vous venez ici à Abidjan, vous achetez votre véhicule, vous trouvez un chauffeur et puis vous suivez ce que le chauffeur fait. Ça, c'est vous. Vous faites ça. Vous faites ça et puis vous n'êtes pas sûr de comment ça va se passer. OK? Vous allez tomber peut-être sur un chauffeur malhonnête. Bon, je vais répondre au fur et à mesure à vos questions-là, comme ça va être simple. Le chauffeur a payé. Le chauffeur se paye lui-même. Dans mon cas, le chauffeur n'est pas un salarié de l'entreprise. Pas dans ce cas-là. Le chauffeur, en fait, en réalité, quand il conduit, s'il conduit bien, le chauffeur, par jour, il ne va pas faire 20 000 francs CFA de recettes. Parfois, il va faire 50 000 francs. Parfois, il va faire 60 000 francs. Je vous explique parce que déjà, quand il fait le plein de la voiture, le plein de la voiture, c'est entre 20 et 30 000 francs. Vous voyez, donc il fait le plein, il faut déjà qu'il récupère le plein qu'il fait. OK? Ou l'argent que s'il conduit beaucoup, parfois il peut dépenser tout le plein en une journée. S'il n'a pas trop conduit, il va faire la moitié. Donc, il fait le plein, il fait tout pour trouver les 20 000 francs et il fait tout pour s'en sortir avec un peu d'argent pour lui déjà. OK? Donc ça, c'est la première chose. Par jour, si le chauffeur est motivé, il peut gagner de l'argent. Maintenant, je donne le samedi au chauffeur. Le samedi, quand même, quelqu'un jour, les gens sortent et tout. Donc, c'est le samedi vraiment que le chauffeur fait sa recette. S'il arrive chaque samedi à gagner même 30 000, 40 000 qu'il met dans sa poche, ça lui fait facilement 150 000 francs CFA à la fin du mois, en plus de ce qu'il peut gagner à côté. Donc, le chauffeur se fait son propre argent. Ça, c'est ce que la plupart des chauffeurs préfèrent. L'autre option, c'est de dire que vous prenez le chauffeur en tant que salarié. Il fait toutes les courses et puis vous le payez à la fin du mois. Mais ça, c'est vous tirer une balle dans le pied parce que vous allez vous rendre compte que les chauffeurs, dès que, ils sont fatigués, parfois ils sont malades, parfois ils n'ont pas envie de conduire, donc je dis non, ce n'est pas motivant. Le chauffeur, il travaille, OK? Le chauffeur, il travaille et puis il se paye lui-même.
Je vous explique encore une fois que le business des transports, c'est un business qui génère du cash. C'est un cash que j'utilise pour investir dans d'autres projets. Okay? Donc, il y a d'autres projets qui vont venir, mais c'est un business qui génère du cash qui va permettre d'investir dans d'autres projets encore une fois. Maintenant, moi, j'ai le système qui permet de gérer les chauffeurs à distance. C'est une balise que nous installons dans les véhicules avec une application pour voir un peu. Donc, avec cette application-là, on peut voir. Voilà, on peut voir où le véhicule se trouve, est-ce que le véhicule circule, est-ce qu'il est stoppé, où est-ce qu'il est stoppé. C'est une balise, c'est une application qui permet même en général de bloquer le véhicule à distance. C'est qu'imaginez que quelqu'un vole le véhicule, comme ça arrive très souvent. Quelqu'un vole le véhicule, le chauffeur prend le véhicule pour aller ailleurs et tout. Vous pouvez localiser le véhicule déjà, aller voir où il se trouve et puis ensuite. Ce que vous allez faire, vous pouvez bloquer le véhicule. OK? Donc, ce que je disais, il y a deux choses. C'est une très bonne application. Je travaille avec des ingénieurs ivoiriens, très talentueux. Franchement, ils font des choses. Je ne peux pas tout dire ici, sinon les chauffeurs, ils vont tout savoir. L'application aujourd'hui, elle est installée à 120 000 francs. 120 000 francs CFA. Maintenant, forcément, quand on vient en flotte, plus j'ai de véhicules avec lui, moins il va faire le prix. Donc, ça devient dégressif. Okay, donc, ceux qui ont des véhicules qui veulent bien installer les véhicules dans leur application, la balise dans leur véhicule, on peut le faire. Aujourd'hui, moi, j'utilise principalement des Suzuki Désir. Okay? C'est des Suzuki Désir. Moi, je ne fais pas de Alto, je ne fais pas de l'autre, là, j'oublie toujours le nom. Voilà, Espresso, moi, je fais des Désir. Je vous explique. On sait, il y a l'État qui a dit, ben oui, les véhicules en dessous de 84 ou 89 chevaux ne pourront plus rouler, patati patata. On attend de voir. On attend de voir, mais je ne pense pas que ça va arriver, clairement. Je ne pense pas. Parce qu'il y a tellement de personnes qui ont acheté ces véhicules-là. Je vous assure que ce n'est pas évident. Mais par contre, je me dis que si jamais cette loi passe et que, on ne peut plus faire de Yango avec les désirs, je les passe facilement en location de véhicules. Parce que j'ai une société aussi, Malocaz, avec mon petit frère que nous gérons, qui a, comment je peux le dire? Une société de location de voitures, on les passe tous en des locations de voitures. Désir parce que ça semble un peu plus confortable, les amis. C'est qu'avant de lancer, avant d'acheter les véhicules, moi, je suis rentré dans tous les types de véhicules. Je suis rentré dans Alto. Alto, c'est le petit modèle là. Oh, est-ce que je peux trouver des images? Bon, vous cherchez Suzuki Alto sur Internet, vous allez voir. Alto, c'est le petit modèle là, mais je vous assure, les gars, vous ne vous sentez pas en sécurité dans cette voiture. Je dis, je suis rentré là. Vraiment, c'était compliqué. La voiture était bizarre. En fait, un camion vous tape seulement, vous êtes parti quoi. Donc, j'ai vu trop ma vie défiler avec les Altos. Je me suis dit, si moi je ne veux pas circuler dans des Altos, je ne peux pas acheter des Altos pour mettre des gens dedans. Et j'ai essayé Espresso. Espresso encore ça allait, mais j'ai laissé tomber Espresso parce que je me dis, je veux une voiture plus confortable avec un plus gros coffre et tout. Donc, c'est ce qui m'a poussé à partir sur les désirs. Je vois que vous êtes sur l'application. En fait, l'application, vous payez 120 000 francs CFA en une fois pour qu'on puisse vous installer la balise. La balise, c'est une puce qu'on met quelque part dans la voiture. On ne dit pas où. OK? Et puis, vous avez l'application maintenant. C'est une puce qui est dedans. Donc, il faut charger par mois la puce pour qu'elle puisse fonctionner. Donc, on vous montre comment charger par mois la puce. Comme ça, votre véhicule va pouvoir facilement fonctionner. OK? Voilà. Non, mais c'est vrai que Alto, là, c'est trop petit. Alto, on dirait boîte d'allumettes. Et dès que vous rentrez dedans, vous êtes comme ça. Non, c'est pour ça que je n'ai pas voulu prendre Alto parce que Alto, ce n'est pas trop ça, quoi. Alto, ce n'est pas trop ça. Donc, je vois plusieurs autres questions. Est-ce qu'il faut prendre un prêt bancaire pour acheter une voiture et faire du Yango? Ça, c'est une très bonne question. OK. En réalité, moi, je vais être partisan de ne prenez pas des prêts bancaires. Surtout quand vous voulez investir dans un business que vous ne maîtrisez pas. D'accord? Ça, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Maintenant, il y a la possibilité de prendre des prêts bancaires pour investir dans des Yango que si tout est bien ficelé. C'est que vous investissez avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait, ou bien vous avez déjà l'expérience dedans. Donc, vous prenez un prêt, vous achetez votre voiture et la voiture rembourse le prêt. Vous voyez? Et la voiture rembourse le prêt. Donc, quand c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre un prêt. Mais par contre, s'il y a un problème sur la voiture, s'il y a un truc, bah, vous n'avez pas mis tous les garde-fous pour éviter qu'on vende votre voiture, par exemple. Écoutez, les gars,
vous allez vous retrouver avec le prêt sur la tête. Vous allez devoir payer. Même si vous prenez un prêt auto pour acheter la voiture, heureusement, la voiture reste d'abord au nom de la banque. Et donc, ça va être difficile de la vendre dans un certain sens. Mais ici, les gens sont tellement forts, ils ont tellement de techniques pour outrepasser les lois qu'ils peuvent vendre des voitures, même si les voitures ont des prêts auto sur elles, quoi. Donc, tout est possible. En fait, au pays, il faut vous dire que tout est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et quand il s'agit d'arnaque, là, tout est possible. C'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Tout est possible. Voilà, il y a certains qui disent que les altos, certains se sont fait. Bon, j'ai vu, hein, il y a des altos qui se sont fait emporter par des inondations. Il y a des altos qui se sont fait emporter. Elles sont tellement légères. Moi, je ne conseillerais pas de prendre ça. Je ne conseillerais pas du tout de prendre des altos. Elles coûtent certainement moins cher. Elles font à peu près 5 000, 5 millions 500 000, quelque chose comme ça. Mais bon, au risque de. Bon, après, l'assurance va rembourser, hein, s'il y a, y a eu un sinistre. Mais je ne pense pas que c'est la meilleure solution. OK? Oh, véhicule hybride ou électrique au pays. C'est pas ça que tu vas utiliser principalement pour faire du Yangoga. Vu le prix que ça coûte et ce que ça va te rapporter, voilà, je ne pense pas que ce soit pertinent. Pour faire de la location de voiture, oui. Si tu prévois avoir un certain niveau pour faire de la location, mais pour faire du Yango, je pense pas, surtout électrique. Moi, je voulais envoyer ma Tesla ici, là, pour brancher le truc et tout. Je suis en train de voir quelles sont les différentes opportunités, les options. Comme ça, on peut moins utiliser ça pour brancher, quoi. Mais là, on va parler principalement des Yango, OK? Et puis les voitures hybrides, électriques, tout ça. Il y a quelques constructeurs qui en proposent. Le prix est assez élevé. Si c'est pour faire du Yango, ça ne va pas être rentable. OK. Surtout que c'est le chauffeur qui paye l'essence. Donc, si c'est électrique, bon, peut-être qu'au lieu de demander 20 000 au chauffeur, vous allez lui demander 40 000. On va changer. On va voir. Pour ce type de projet, il faut prendre une assurance tout risque. L'assurance tout risque, c'est l'assurance qui couvre tout. Que le chauffeur fasse un accident lui seul, que le chauffeur tape dans un mur, qu'il y ait des sinistres. L'assurance tout risque va tout prendre. D'accord? L'assurance tout risque va tout prendre en compte. Ne vous amusez pas à prendre juste une assurance. Ah, quelle compagnie d'assurance j'utilise? Ça, maintenant, c'est réservé aux membres du Business Club. OK? Donc, ça, c'est réservé aux membres du Business Club. Je dis exactement le nom de l'assurance. J'ai des réductions là-bas. Et c'est une assurance avec laquelle je travaille depuis. Donc, ici à Abidjan, mais après, ici à Abidjan, vous en avez plusieurs. Hein. Si vous tapez assurance multirisque en Côte d'Ivoire, vous allez trouver. Mais ce ne sont pas toutes les assurances qui sont efficaces et qui vont régler les soucis rapidement. D'accord? Voilà. Comment éviter les arnaques? Bah, comment éviter les arnaques? C'est simple. Deux choses. Hein? Deux choses pour éviter les arnaques. L'argent est le nerf de la guerre et votre véhicule est votre vache à lait. OK? L'argent est le nerf de la guerre, votre véhicule est votre vache à lait. Donc, il faut mettre tous les processus en place pour protéger ces deux-là. L'argent, votre véhicule. Pour votre véhicule, on va commencer par ça. Il faut vous assurer que bah, le véhicule est bien en votre nom et tout. Mais il faut vous assurer que le chauffeur n'a pas en sa possession tous les documents nécessaires pour vendre la voiture. Ici à Abidjan, il faut comprendre qu'on peut vendre une voiture en votre absence. Ça, c'est possible. Parce que quand on vend une voiture, on a juste besoin de la pièce d'identité du. Tu vois? C'est la pièce. J'ai à reprendre la 7. Il faut être un club d'élitiste. Donc, comment ça s'appelle? On a besoin juste de la pièce d'identité du vendeur. Et comment ça va se passer? Le vendeur, il prend votre pièce d'identité, il imite votre signature, il vend le véhicule. Donc, assurez-vous que la pièce ou votre pièce d'identité, la pièce d'identité du propriétaire, n'est pas dans les mains du vendeur ou de quelqu'un d'autre. Ça permet du coup de ne pas avoir votre véhicule vendu. La deuxième assurance pour votre véhicule, c'est de prendre une assurance multirisque, tout risque. Comme ça, tout ce qui se passe, votre véhicule n'est pas perdu. Maintenant, le cash, l'argent, le cash là, il ne faut pas que ça reste dans les mains du chauffeur pendant plusieurs jours. OK, moi, le maximum que je donne, c'est une semaine. Ne surtout, surtout pas laisser le cash pendant longtemps dans les mains du chauffeur, même si c'est le plus honnête des chauffeurs. Parce que demain, il peut avoir un problème. Vous comprenez? Demain, il peut avoir un problème, il va prendre cet argent-là pour gérer son problème.
demain, quelque chose peut se passer, ça va être compliqué. Donc, tous les jours, assurez-vous que le chauffeur, il dépose l'argent quelque part. Il y a les Orange Money maintenant, ou dans lesquels, OK, dans lesquels on arrive facilement, dans lesquels on arrive facilement à faire des transferts d'argent. Ça, c'est la meilleure façon d'éviter vraiment de faire, d'avoir des arnaques. Maintenant, faut-il prendre une voiture automatique ou manuelle? Les manuels pour un business de taxi sont les plus recommandés. OK? Les manuels sont recommandés. Bon, ça demande un peu plus de manipulation de la part du chauffeur. Mais par contre, c'est elle qui reste plus longtemps. Il faut comprendre qu'avec une voiture automatique, le calculateur, la boîte automatique, plus la voiture vieillit, plus elle est utilisée, la boîte automatique parfois perd un peu le nord et elle n'arrive plus à contrôler le système de la voiture. Donc, la boîte automatique va forcément avoir plus de problèmes qu'une voiture manuelle. OK, donc c'est bien, vous pouvez avoir une voiture automatique pour vous, mais si vous voulez faire le business de transport, moi je vous conseille d'avoir une voiture. Vous pouvez avoir une voiture automatique pour vous, mais si vous voulez faire le business des transports, il faut avoir une voiture manuelle. C'est ce qui est intéressant. Louer des véhicules pour les mettre en Yango. Bah, tu loues les véhicules à combien? Tu loues les véhicules à combien? Déjà, les locations de véhicules, moi, ce que je fais, même pour une voiture comme Suzuki Désir, je la loue à 30 000 francs CFA. Donc, tu la loues pour la mettre en Yango après pour gagner combien? À moins que ce soit toi le chauffeur et que tu veuilles gagner plus, quoi. Tu comprends? Donc, non, je ne te conseille pas du tout ça. Ça ne va pas être rentable du tout. En fait, tu vois exactement. À moins que tu arrives à louer le véhicule à 10 000 et puis tu demandes au chauffeur de te donner 20 000 et tu n'as que 10 000 par véhicule. Mais sinon, ce n'est pas possible. OK, donc je vous parle rapidement de bah, comment vous pouvez avoir. Eh bien, est-ce que vous avez d'autres questions déjà sur le business déjà? Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce business-là? Si on veut revendre, et c'est ça l'avantage. Bon, moi, je fais un système spécial. Bon, je vous donne tout, hein, franchement. Le but là, c'est que vous puissiez, pour ceux qui veulent se lancer de leur côté. L'application est disponible partout. C'est une appli L'application qu'on met dans les véhicules est une application qui est disponible partout. C'est une application internationale. On peut l'utiliser partout. Tant qu'on a un opérateur mobile, ça marche. Et même si on n'a pas d'opérateur mobile, on a la possibilité quand même d'utiliser les satellites. OK? Donc, voilà. Ne vous en faites pas, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent pour acheter un véhicule, je vais vous donner les solutions dans ce live. C'est pour ça qu'on est là. Ne vous en faites surtout pas. Je vous dirai un peu combien tout ça coûte et quelles sont les solutions que vous pourrez avoir. Comment elle s'appelle? Il y a une personne qui a dit, faut-il avoir un mécanicien fixe? Est-ce que tu gères des... Je gère les investissements dans ce sens, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. J'ai de très beaux projets dans ce sens, les amis. Un projet pour permettre à plusieurs de devenir millionnaires. En France, CFA dans un début et après en dollars. OK. Anas Momo, quelle est ta question? Ceux dont je n'ai pas répondu aux questions, dites-moi vos questions maintenant, s'il vous plaît. On est dans un pays ici où les automates, les manuels se vendent aussi très bien. OK? Le problème, c'est qu'avec une automatique, bah, quand elle va rouler, elle va te créer beaucoup de panne si elle roule longtemps. D'accord? Donc, quand tu vas la revendre, à un moment donné, tu vas devoir peut-être changer le calculateur avant de la revendre. Donc, tu ne la revendras pas beaucoup plus cher qu'une manuelle, je pense. Mais à l'achat, une manuelle, ça coûte un peu moins cher qu'une automatique déjà. D'accord? Une manuelle coûte un peu moins cher qu'une automatique. Mais moi, je disais. Prends juste une manuelle. Maintenant, si c'est un véhicule que toi-même tu veux utiliser, que tu ne sais pas rouler une manuelle, que tu peux faire une automatique, c'est aussi toi. OK? Tu regarderas ce que tu veux. J'ai arrêté, j'ai mis l'import de voiture en pause. Je vais vous expliquer dans quelques minutes pourquoi. Donc, quelle est la meilleure option entre un Yango et un taxi-compteur? En fait, c'est simple. Un Yango, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses et tu lances le véhicule. Tu le mets en circulation. Tu prends juste l'assurance. Une fois que tu as l'assurance, tu vas t'enregistrer chez Yango ou bien chez Uber. Moi, j'utilise les deux. J'aime bien Uber. Ça marche aussi bien. Et tu mets en circulation. Quand tu passes un taxi, tu as beaucoup plus de choses à payer. C'est pour ça que les taximètres, ils font beaucoup de grèves. Tu as une patente à payer. Tu as
Tu as une autorisation de pouvoir faire aussi taxi à payer. Donc, tu as une patente à payer, tu as une licence à payer. Et puis, tu dois repeindre le véhicule. C'est surtout ça. C'est que le véhicule, Suzuki, par exemple, ne vend pas des véhicules tout rouges. Ils vendent des véhicules blancs ou des véhicules gris ou bleus ou noirs. Donc, si tu veux le passer en taxi, tu as d'autres coûts qu'il va falloir prendre en compte. Donc, tu auras le coût de repeinte en rouge. Tu vas devoir acheter la bonbonne taxi qu'il faut mettre en haut. Tu vas devoir avoir une licence, une patente et tout ça. Et ça, c'est ça qui est un peu compliqué. D'accord? C'est ça qui est un peu compliqué. Donc, Yango est beaucoup plus bénéfique dans le sens où c'est moins de coûts et ça te permet tout de suite de commencer à rouler. Maintenant, forcément, c'est pour ça que les chauffeurs de taxi, ils font un peu de grève parce qu'ils se disent que c'est une concurrence déloyale. Eux, ils payent beaucoup plus de frais pour quasiment les mêmes revenus. Le problème avec les taxis, c'est que bah, quand ils ont un peu le monopole, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas très agréables et tout ça. Donc, voilà, c'est bien qu'il y ait un peu de concurrence. Comme ça, on verra. Et c'est pour ça que le gouvernement aussi veut un peu structurer tout ça. Certainement demander aux chauffeurs Yango d'avoir aussi une certaine licence et tout ça. D'accord. Pour ceux qui nous rejoignent là, nous sommes en train de parler de comment gagner de l'argent avec le business des transports ici en Côte d'Ivoire. Donc, je vais vous proposer l'option pour pouvoir investir dans les transports en toute tranquillité. Nous avons une équipe ici qui va venir, qui va s'occuper de tout la paperasse, de toute la paperasse, de tout le processus, de tenir compte de toutes les législations en place pour vous permettre, vous, tranquillement, depuis votre canapé, de pouvoir avoir l'argent qui rentre par mois. C'est en toute sécurité, OK? Vous me voyez sur YouTube, vous me voyez là, tout se passe bien. OK? Donc, voilà un peu ce que je vous propose. Deux options. Et ces options sont disponibles dans le club business. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je vois certains qui disent le club business, c'est pour les élites, tout ça. Non, pas du tout. C'est un club élitiste, mais vous pouvez être élite aussi. Mais je vous explique les options et vous allez voir. La première option, c'est ce que j'appelle l'option clé en main. L'option clé en main, c'est simple. C'est que vous dites, Jean-Yves, moi je veux avoir un véhicule, mais je ne suis pas en Afrique pour gérer ça. Je ne sais pas comment recruter un chauffeur. C'est un peu compliqué. Je ne sais pas comment je vais faire tout ça. Moi, je veux que ton équipe et toi, vous vous en occupez. Donc, nous, ce qu'on fait, on va faire tout le projet pour vous. On va acheter le véhicule, d'accord? On va prendre l'assurance. On va installer la balise. OK, dans mon club business, j'ai partagé toutes ces étapes-là avec le dernier véhicule et ça se fait en 2 jours, hein. Bah, quand ça se fait en 2 jours, hein, vraiment. Quand on récupère le véhicule, même en un jour, on peut acheter l'assurance tout de suite. Bim, on achète aussi, on installe la balise, les véhicules commencent à rouler, on trouve le chauffeur. Donc, vous dites, vous ne voulez pas vous en occuper. Et nous, on fait tout. Vraiment, on fait tout. Aujourd'hui, je vous donne quand même quelques prix. La Suzuki Désir, écoute, normalement, le prix affiché dans certains trucs, c'est 8 500 000. Parfois, ils vous mettent 9 millions pour une Suzuki Désir. Je vous laisse faire les calculs dépendamment du pays où vous êtes, soit en francs, en dollars, soit en euros. Mais nous, comme on prend plusieurs, on arrive à négocier ça jusqu'à 8 millions, parfois un peu moins. Vraiment un peu moins. OK, donc ça, ceux qui sont dans le club business, ils auront vachement moins que ce qu'on a l'habitude de payer là. Donc, sinon, le prix affiché, c'est 8 500 000 et parfois 8 millions. Donc, si c'est 8 millions de francs CFA, prenons juste 8 millions de francs CFA pour être vraiment bas. Il faut rajouter l'assurance multirisque. L'assurance tout risque, elle coûte à peu près 460 000 francs CFA, à peu près 500 000. Okay? Donc, on est déjà à 8 500 000. Après, il faut rajouter la balise, 120 000. On a 8 620 000. Okay? Il y a 8 620 000. Il faut rajouter les frais d'immatriculation et tout. On se retrouve à 100 000 supplémentaires. À tout casser, à tout casser. Donc, à tout casser, avec 9 millions de francs CFA, ça c'est vraiment large, vous avez votre Suzuki Désir. Donc vous, vous dites, voilà, vous mettez 9 millions sur la table. Et puis nous, on fait tous les papiers pour vous. On achète tout pour vous. On va acheter la voiture, on l'immatricule, on cherche le chauffeur, et puis on met la voiture en circulation. Et la voiture, elle est en votre nom. 9 millions, ça fait combien en euros? Je vais lui dire, ça fait 13 000 euros, je pense. 13 000 euros. Calculatrice. Fois 0, 9 millions.
Voilà, 13 720. Ça fait 13 720. Ça, c'est d'abord dans un début. C'est vraiment pour les personnes sérieuses qui veulent se lancer tout de suite. 9 millions, on achète le véhicule. Il faut compter entre 1 ou 2 mois avant que le véhicule n'arrive. Et quand le véhicule arrive, bim, on accélère tout. Et puis, le truc commence à marcher. Donc, quand vous achetez ça, à la fin du premier mois, vous avez votre argent tranquillement. Comment ça va se passer? Du lundi au jeudi, le véhicule va rouler pour vous. Donc, vous aurez 80 000 par semaine. Le vendredi, ça va être pour la gestion. OK? Ça va être pour la gestion. Donc, parce qu'on va prendre quelqu'un qui va gérer votre véhicule et tout. Le samedi, le chauffeur roule. Et le dimanche, le véhicule se repose. Donc, vous allez voir que du lundi au jeudi, 80 000 par semaine, ça vous fait 320 000 francs le mois, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, chaque mois, vous avez 500 euros. C'est ça la commission. Parce qu'il faut que tout soit clair pour que vous puissiez comprendre. Donc, première chose, j'avais préparé des slides, mais je ne sais pas où elles sont, je vais voir après, mais comprenez bien. Donc, vous investissez les 9 millions. Après, qu'est-ce qui se passe? Du lundi au jeudi, le véhicule roule pour vous. On vous donne les 80 000. D'accord? Donc, ce sont les 80 000, les véhicules roulent pour vous. Nous, comment on se rémunère? On prend une journée pour la gestion. Donc, on prend la gestion le vendredi, c'est pour la gestion. Le samedi, c'est pour le chauffeur. Et le dimanche, le véhicule se repose. OK? Donc, voilà comment ça va se passer. Ça, c'est la première option. Ou la deuxième option, au lieu de recevoir 20 000 francs CFA par jour, vous allez juste recevoir 15 000 francs CFA par jour. Et nous, comment on se rémunère? C'est 5 000 francs CFA par jour de gestion. Ce n'est pas pour moi, c'est pour payer le gestionnaire qui va gérer votre véhicule. Encore une fois, cette idée, c'est de ne pas. Ce n'est pas forcément de m'enrichir avec ça, mais c'est d'aider plusieurs de la diaspora à pouvoir générer de l'argent ici. C'est tout bénéfique parce que vous gagnez de l'argent avec ce business. Nous créons des emplois ici. J'utilise le téléphone pour la caméra, mais je vais vous montrer l'image du dernier chauffeur qui était content. C'est quelqu'un qui a 5 enfants, qui cherchait un boulot pendant longtemps, qui est électricien, qui n'arrivait pas à trouver. Et quand je suis qui n'arrivait pas à trouver un boulot potable, je lui ai dit, bon voilà, il y a le véhicule, il faut rouler. Il était content. Vous savez, ça va lui permettre de pouvoir arrondir les fins du mois. Donc, ma volonté première en faisant ça, c'est vraiment pour créer de l'emploi, le maximum d'emplois possible. Maintenant, vous connaissez les gens ici, vous voulez même les aider, mais c'est eux-mêmes qui vous arnaquent. Donc, comment nous on le fait? C'est que, un, vous avez un véhicule qui vous rapporte de l'argent. Deux, nous créons des emplois ici. Et les emplois, c'est le chauffeur déjà qui va être payé et le gestionnaire. Donc, de vos revenus, il y aura une partie qui va servir pour le gestionnaire. Et le gestionnaire, à peu près, il va s'en sortir avec 100 000 francs CFA par véhicule. Maintenant, comment nous, on va pouvoir couvrir nos coûts? C'est simple. C'est que je ne lance pas ce projet-là avec une personne, avec un ou deux véhicules. Vous voyez, ce n'est pas pertinent. On va jouer maintenant sur le volume. C'est intéressant quand il y a 10 personnes qui achètent le véhicule. Donc, s'il y a 10 personnes qui achètent chacun un véhicule, on ne se lance qu'avec 10 véhicules. Comme ça, si on a 100 000 francs par véhicule pour la gestion, on a 1 million sur 10 véhicules, là, ça a plus de sens. On peut donner peut-être 150 000, 200 000 au gestionnaire et puis couvrir d'autres coûts. Donc, c'est totalement transparent. OK, il n'y a rien de caché. C'est du temps que nous prenons pour faire tout ça. Donc, forcément, il faut que les gens qui travaillent dessus aussi soient payés. Vous payez ce temps-là. Vous payez la connaissance. Vous payez la gestion. C'est ce qu'un peu tout le monde fait. Mais vous aussi, vous avez votre argent. OK? Vous avez 320 000, c'est net. D'accord? Ça, c'est une très bonne question. Les 320 000 nets de vidange et panne potentielle. Les pannes potentielles que nous pouvons arranger, parce que vous comprenez quand on prend ça c'est cette gestion-là. Dans cette gestion-là, forcément, il n'y a pas les pannes potentielles. Il n'y a pas les vidanges. OK? Donc, c'est 320 000 que vous gagnez, mais s'il y a une panne et s'il y a une panne qui n'est pas couverte par le constructeur, et s'il y a un vidange à faire, on est obligé de revenir vous voir pour dire, ben écoutez, voilà, il y a la vidange, il y a le truc. Donc, ce que moi, je proposais, au lieu de vous donner 320 000, autant garder les 20 000 par mois dessus, ou autant garder une certaine partie. Comme ça, quand il y a des pannes, quand il y a des trucs, on prend dans cette partie-là pour gérer les pannes. Vous comprenez? C'est vraiment beaucoup plus simple comme ça. Parce que là, on ne vous donne pas l'argent et puis on vient reprendre. Donc, on garde cet argent-là. Donc, dans les 320 000 que vous allez avoir, il y a une partie qui va être gardée.
d'expérience, il n'y a pas beaucoup de panne. Hein. C'est vraiment après les 6 premiers mois qu'il faut changer quelques plaquettes de frein et tout ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de panne. Et on fait aussi le vidange. Donc, voilà, on peut prendre 20 000 par mois que nous gardons et puis ça va servir à tout ça. Pour ça, vous, c'est vraiment 300 000 qui rentrent dans votre poche. OK? Donc, pour pouvoir faire ça, moi, je veux m'associer avec des personnes sérieuses qui veulent aller. Ça, c'est la première option. Je vais vous expliquer le club et tout. Mais comprenez bien déjà l'option, moi. Hein, ce n'est pas l'argent le plus important, c'est comprendre comment on va travailler le plus important. OK? Et je vais vous expliquer tout ça. Attendez, je vais boire un peu d'eau. Donc, la première option, le véhicule est en votre nom. Nous, on ne fait que la gestion. OK? C'est vous qui voyez si vous voulez que le véhicule revienne au chauffeur ou pas. Donc, ça, c'est vraiment au cas par cas. Donc, ça, c'est la première option. Le véhicule est en votre nom. On fait la gestion, on achète le véhicule en votre nom et tout. Vous nous envoyez les papiers et tout et on fait tout. La deuxième option, ce n'est pas du tout un véhicule en votre nom, mais c'est une entreprise de transport que nous mettons en place. Et ça, c'est très, très important. Vous allez comprendre. C'est un business de transport que nous mettons en place. C'est-à-dire, nous allons acheter des véhicules. Et ça, c'est un business et on a besoin à peu près de 100 millions pour pouvoir, de francs CFA pour pouvoir lancer ce business-là. Donc, c'est un business de transport que nous allons mettre en place. C'est que nous allons acheter des véhicules. Donc, chacun, maintenant, va voir combien il peut mettre. Vous voyez? Parce que dans le premier cas, il faut avoir le 9 millions pour pouvoir acheter le véhicule et le mettre en circulation. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a 9 millions aujourd'hui sur lui. Peut-être que vous avez 1 million de francs CFA, 1 500 euros. Peut-être que vous en avez deux, vous en avez trois. Mais vous voulez quand même investir dans les transports. Donc, on vous donne cette opportunité aussi. Et dans cette opportunité, c'est simple. On dit, bon, on a besoin de 100 millions de francs CFA. Ou bien, prenons juste 90 millions de francs CFA. On veut acheter 10 véhicules. Une personne va dire, ah, moi, je veux mettre 10 millions. Donc, la personne n'a pas un véhicule, mais la personne a 10% des parts de l'entreprise. Une autre personne dit, moi, je veux mettre 1 million. La personne a 1% des parts. OK? Je le fais simple, hein, pour que vous puissiez comprendre si on prend 600 millions. Donc, ce n'est plus des véhicules en votre possession, mais c'est des véhicules pour l'entreprise. Et on va gérer ça comme une entreprise. Vous comprenez? Dans le premier cas, vous avez un véhicule pour vous. Vous faites ce que vous en voulez et puis nous, on gère. Dans le deuxième cas, c'est une entreprise. L'avantage de ce deuxième cas est le suivant. C'est que, bah, comme c'est une entreprise, moi, avec mes compétences de gestionnaire et d'entrepreneur, on va multiplier les véhicules. C'est qu'on commence avec 90 millions de francs CFA pour acheter 10 véhicules. On va gérer de sorte qu'on puisse acheter deux autres véhicules, trois autres véhicules, quatre véhicules, cinq véhicules. En tout cas, qu'on multiplie le parc par deux. Dans le club business, on a une réunion samedi où je vais expliquer clairement quel est le plan, comment on va le faire. Donc là, c'est une entreprise à part entière. C'est que dans le premier cas, vous allez gagner 320 000 francs CFA par mois. Dans le deuxième cas, vous allez gagner beaucoup plus par mois, en fonction de vos parts, bien sûr. On est d'accord. Donc, avec les 10 véhicules, on va les multiplier. Et ensuite, au fur et à mesure, on va en avoir plus. Donc, ça, on appelle ça le démembrement. C'est le démembrement, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir 9 millions pour acheter un véhicule. C'est souvent très compliqué. Ou bien parfois, ce que certains font, il faut aller voir des entreprises, des banques qui vont vous financer, mais à des gros taux d'intérêt. OK? Ici, c'est une forme de tontine en réalité. C'est de la tontine pour les transports. On se réunit et puis on dit, bon, qui veut mettre combien? OK? Donc, les personnes qui sont prêtes mettent de l'argent. On achète le véhicule pour la tontine, pour le groupe. On fait gagner de l'argent au groupe et on avance. Et tout le monde va profiter. Moi, vous savez, je suis totalement transparent. Donc, on est en train de mettre en place un compte bancaire que tout le monde peut voir. Comme ça, vous allez voir combien rentre. On va signer des contrats, comme ça, tout est clair. Les véhicules sont au nom de l'entreprise. Et puis, on lance, les véhicules roulent. On aura des points que nous allons vous faire par mois. OK? Il y a des points qui vont être faits par mois. Il y a des points qui vont être faits après 6 mois. Il y a des points qui vont être faits après 1 an. Et dans cette partie-là, forcément, c'est une entreprise, il ne faut pas manger les premiers œufs. OK? Donc, on va laisser couler une année. L'objectif, c'est de multiplier. OK? On a 10 voitures, ensuite on aura 20 voitures, ensuite on aura 30 voitures. L'objectif, c'est d'avoir 100 voitures. Donc, c'est d'avoir quand même un chiffre d'affaires de M. C'est d'avoir, pardon, comment je peux dire, des véhicules qui valent à peu près 1 milliard de francs CFA.
Hein, vous comprenez, c'est mon objectif là, 1 milliard de francs CFA. On a assez de véhicules, on a une bonne flotte et on gère ça en entreprise. Nous tous, nous sommes partenaires. Ça, c'est le deuxième plan. C'est ma vision idéale et pour moi, c'est comme ça qu'on devrait faire le plan. Parce que vous avez des Libanais qui ont des flottes de 400, 500 véhicules. Vous avez d'autres personnes qui ont de grandes flottes. C'est que comme ça qu'on commence vraiment à compter. OK? Vous avez un véhicule dans votre coin, ça vous ramène l'argent, vous vivez, c'est bien, mais bon, voilà, ça ne va pas plus loin. Vous comprenez? Donc, il y a les deux options qui vont être possibles, mais vous vous doutez bien que je priorise la deuxième option. Pour moi, c'est la meilleure. Maintenant, forcément, pour faire ça, on ne va pas. Je ne vais pas prendre tout le monde, parce que c'est bien de s'unir, c'est bien de s'associer, mais on s'associe avec les personnes avec qui on a la même vision. On s'associe avec les personnes avec qui on va dans le même sens, OK? Et les personnes qui veulent vraiment aller de l'avant. Et c'est pour ça que j'ai mis le club business en place. Parce que ce n'est pas le seul projet que j'ai aujourd'hui. Il y a plusieurs autres projets. On a des projets immobiliers. Je vous ai parlé du projet. Je vous ai parlé du projet de construction d'immeubles. En fait, on aura des immeubles où vous aurez des appartements. Il y aura des conciergeries qui vont gérer ça. Je travaille, j'ai déjà signé des partenariats avec des entreprises à Dubaï. Moi, je veux juste des matériaux locaux, donc on est en train de travailler dessus. On a un projet de lavage de voitures. On a un projet dans l'agriculture. On a un projet dans l'élevage. On a un projet, vous voyez? Donc, c'est l'esprit de communauté. C'est ce que les Libanais font et ils vont très loin. C'est ce que les Chinois font également. Okay? Et si nous, on n'apprend pas à le faire maintenant, on va rester toujours derrière. Donc, au lieu de nous contenter de 3 000, de 300 000 francs CFA par mois, on met en place des entreprises. Okay? On met en place des entreprises. Maintenant, je sais, vous allez demander, bah, combien je gagne, si je mets 1 000 euros, combien je gagne sur au moins 2 000 euros. Je décris et je détaille tout ça dans le club business. Vous savez, Internet, c'est Internet, on n'est pas les seuls. Il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Donc, c'est pour ça que je préfère un comité restreint. OK? Donc, des deux options, option 1 ou option 2, quelle est l'option qui vous intéresse le plus? Et je vais donner un peu plus de détails dessus. Dites-moi dans les commentaires quelle est l'option qui vous intéresse le plus. Ça, tu fais bien. Voilà, vous voyez, pour avoir l'argent, c'est simple, hein. Nous sommes 300 connectés. Si chacun met 1 000 euros, on a 300 000 euros. Ça nous fait 200 millions. Non, même pas, c'est ça? 200 millions de francs CFA. Avec 200 millions de francs CFA, on a 20 véhicules, on est parti. Donc, quelle est l'option? Je vois, il y a la nostalgie qui veut l'option 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 et 2, 2, 2, 2. Avec l'option 2, on gagne beaucoup plus d'argent, c'est sûr. Option 1, bah, il n'y a pas de souci. Ceux qui veulent 1 ou 2, on verra. Mais clairement, moi, je vais privilégier l'option 2. Donc, dites-moi l'option qui vous convient dans les commentaires. L'option 2. Donc, vous comprenez, hein? On est en train de parler de faire des business en groupe. Il y a des gens toujours qui préfèrent l'option 1. Vous comprenez, voilà, parce qu'il n'est pas ivoirien, il veut l'option 1. Je ne juge pas, mais c'est pour vous dire qu'on n'a pas tous la même vision. Il y a des gens qui veulent une option qui va leur permettre de gagner de l'argent pour eux. Il y a d'autres qui veulent une option qui va leur permettre de gagner l'argent pour le groupe. Okay? Donc, l'option 2, 2, 2, 2, super. Maintenant, je vous explique comment ça se passe et pourquoi j'ai créé le groupe, le Club Business. Avant, quand j'étais à Dubaï, en 2017-2019, je vendais des véhicules. Okay? Je vendais des véhicules. Et qu'est-ce qui se passait dans les véhicules? Si vous voulez les deux options, on va trouver une solution pour les deux options. Mais clairement, moi, je privilégie l'option 2 parce que l'option 2, c'est une entreprise à part entière. Et avec l'option 2, vous gagnez beaucoup plus d'argent que l'option 1. Clairement, avec l'option 2, en fait, si vous avez la possibilité d'acheter un véhicule, autant mettre ce véhicule dans l'option 2. Je vous donne les deux options pour que vous puissiez voir la puissance de l'option 2, la puissance de se mettre ensemble, la puissance de créer un groupe ensemble. OK? Donc, l'option 2, en fait, tu mets 9 millions, tu as le nombre de parts qu'il faut dans ces 9 millions dans toute l'entreprise. Dans l'option 1, tu as juste 320 000 par mois et puis voilà quoi. On peut augmenter les parts, tout ça, on va voir. Vous avez des questions, mais c'est fou quoi. Je vais répondre à toutes ces questions-là, ne vous en faites pas. Donc, je vous explique un peu pourquoi je mets en place le club business. Parce que je vois, il y a des commentaires, les gens disent, mais c'est un club d'élite. Comment demander à des gens de payer 97 euros? Ah, je vais vous expliquer tout ça. Hein? Moi, je suis très cohérent dans ce que je fais. Avant, je vendais des véhicules. Je vendais des véhicules à Dubaï, à destination de l'Afrique. Donc, il y a des personnes qui vivaient en Afrique qui me contactaient, qui me disaient, Jean-Yves, je veux un véhicule et tout. Et moi, ce que je faisais, c'est que je travaillais avec quelqu'un, Freddy. Je payais cette personne à peu près 1 000 euros par mois. La personne partait,
Quand, imaginons qu'il y a un franc qui vit en Côte d'Ivoire qui dit qu'il veut un véhicule, il me dit à moi ou par quelqu'un que je connais et nous on va vérifier. Donc ce qu'on fait, on va sur un site internet, on voit déjà le véhicule qu'il veut. Hein? D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui ont envoyé des messages. On n'utilise plus trop la même ligne pour les, pour l'achat des véhicules à Dubaï. J'ai mis ça en pause pendant quelques temps, mais on va voir après comment on gère. Donc, imaginez que vous êtes Franck, vous vivez en Côte d'Ivoire, vous voulez acheter un véhicule à Dubaï. Qu'est-ce qui se passe? Vous envoyez les véhicules que vous voulez. Ah, je veux une Suzuki Désir de couleur rouge avec les roues sur le toit. En fait, les gens me donnaient tous les critères possibles. Nous, on regardait ces critères-là. On allait chercher les véhicules. Et quand on cherche les véhicules, on va les tester. Et Freddy, je travaillais avec lui, je le payais pour ça. Il va tester les véhicules, il va prendre des photos, il va envoyer tout. Quand il fait ça et qu'il vient, je vais dire à Franck, voilà ce qu'on a fait. On a fait toutes les démarches. Voilà le véhicule qu'on a trouvé. Franck va dire, oui, je veux, super, super. Et quand maintenant le moment de payer arrive, le gars disparaît. Je vous assure, il disparaît. Le gars qui semble être motivé, c'est que nous, on travaille déjà. On met tout en place. Et quand maintenant il faut payer pour qu'on puisse lui livrer le véhicule, oh, ma banquier a décidé de bloquer mon argent. Oh, ma banque ne veut pas me donner moi-même mon propre argent. Donc les gens trouvaient des alibis à un point fini. C'est arrivé une première fois. Je me suis dit, OK, c'est pas grave. Une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième fois. Je me suis dit, non, maintenant ça commence à devenir les foutaises. Vous voyez? Malheureusement, nous sommes dans une communauté où les gens parlent beaucoup. Ah, on veut faire ça quand tu viens avec une idée. Oui, moi, je veux, je veux. Maintenant, quand on va dire, bon, venez, on fait, il n'y a plus personne. C'est arrivé le terrain de Jacquesville. Il y a un terrain, on qui veut l'acheter? Moi. Quand on dit venez acheter le terrain, il n'y a plus personne. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire pour le business de taxi et pour le business de vente de voitures? J'ai dit, si tu veux acheter un véhicule, je te donne le site internet. Tu vas sur le site internet, il y a des voitures qui sont listées là-bas. Tu regardes toi-même et tu nous dis exactement le modèle de voiture que tu veux. Quand j'ai fait ça, la moitié des personnes, ils ne vont même pas sur le site internet. Quand tu finis ça, tu dis, bon, si tu veux maintenant acheter un véhicule, tu vas devoir payer 200 euros d'acompte. Toutes les entreprises font ça. L'acompte que tu vas payer, c'est 200 euros. Tu payes 200 euros d'acompte et puis maintenant, on commence à chercher les véhicules pour toi. 60% des gens, ils ne payent pas. Cela vous montre qu'en réalité, il y a des gens qui parlent beaucoup, mais qui ne veulent pas agir. OK? Et quand on met ça, quand on se rend compte que quelqu'un a payé 200 euros, je vous assure, il va jusqu'au bout du projet. Donc, comment j'ai regardé pour ça? Les amis, je n'ai pas envie de venir perdre le temps. Tout ça, là, c'est du temps pour moi. Hein. Je peux être tenté de travailler sur ma compagnie Easybox à Dubaï. Je vous rappelle que la compagnie est évaluée à 3 millions de dollars aujourd'hui. Clairement, la compagnie qui va me rendre milliardaire, c'est celle-là. Pour ne pas vous mentir. Mais bon, je prends le temps pour faire autre chose. Je prends le temps pour être là pour parler de ce business de taxi pour que tout le monde puisse gagner de l'argent, pour que ce soit communautaire. C'est du temps que nous prenons. Vous allez voir dans le club business, il y a l'équipe qui prépare des slides, on prépare des business plans, on prépare des choses pour vous, pour que vous puissiez savoir que tout est structuré où on va. Chaque mois, on a des business qu'on va proposer. On a le business de transport cette fois-ci, on aura le business de l'immobilier, de l'agriculture, de l'élevage, vraiment des business structurés. Moi, j'aime les business structurés. Les amis, tout ça là, c'est du temps. Les gens passent du temps à faire ça. Vous pensez qu'on va finir de faire ça et puis quand on va venir vous présenter, vous allez dire oui, vous êtes intéressé. Quand on va dire maintenant, bon, allez, venez, mettons l'argent sur la table, vous allez disparaître. Il faut filtrer les gens à l'entrée et c'est le but du club business. C'est juste pour filtrer les gens. Ce n'est pas avec les 97 euros là qu'on va devenir milliardaire. Non. C'est pour filtrer les gens. Quelqu'un qui est motivé, qui veut investir dans un business où on parle de 100 millions de francs CFA, s'il commence à bavarder pour payer 97 euros, c'est que la personne n'est pas motivée. Vous comprenez? La personne n'est pas motivée. J'ai oublié, on a aussi le domaine de la restauration avec Dabali Express. Je vais vous en parler, mais il y a aussi le domaine de la restauration avec Dabali Express dans lequel on va investir. Donc, le club business, en fait, c'est pour trier les gens qui parlent beaucoup là. J'ai trop vu ça. J'ai trop vu ça. On est dans la communauté, on se connaît. Hein? On se connaît, ce n'est pas tout qu'on va venir dire ici, on se connaît. Donc, les plus motivés, ils n'auront aucun mal à dire, bon, moi, je vais investir dans ce projet, donc je paye 97 euros pour intégrer le groupe. Pardonnez, pour intégrer le groupe. Je vais vous expliquer après même que c'est rien. OK? On se connaît ici. J'ai pris le temps de vous étudier là. C'est pour ça que je ne suis pas venu parler très tôt. J'ai pris le temps, le black.
Ça fait plus de 12 ans que je travaille avec les Africains. Ça fait plus de 12 ans, les 6 premières années quand j'ai commencé à investir, je me suis bien fait arnaquer. J'ai pris le temps de comprendre et je me suis dit, bon, je vais mettre un système en place qui permettra vraiment d'aller loin. OK? Il faut qu'on aille loin. Et moi, je veux des gens qui veulent aller loin. D'accord? Donc, si vous êtes déjà en train de faire palabre pour payer 97 euros pour intégrer un groupe qui va vous permettre de gagner plus que ça, c'est que vous n'avez pas la mentalité même pour qu'on puisse investir ensemble. C'est bien de vouloir investir ensemble, hein. C'est bien, moi je suis pour le travail communautaire. J'aime bien me mettre avec des personnes pour travailler. J'ai un partenaire pour Easybox, ma société de livraison à Dubaï et au Kenya. J'ai un partenaire pour les transports. J'ai un partenaire pour l'immobilier. J'ai des partenaires pour tout. Mais je ne cherche pas, je ne trouve pas mes partenaires n'importe comment. Si vous voulez que votre business échoue, mettez-vous avec les mauvais partenaires dès le départ. C'est aussi simple que ça. Vous voulez que votre business échoue, mettez-vous avec les mauvais partenaires dès le départ. Donc, on crée ça pour pouvoir filtrer à l'entrée. Alors, comment ça se passe? Je dis que l'intégration au club business, ça fait 97 euros. En réalité, le club business, voilà. Là, on commence avec ce business des transports. On va bien structurer le business des transports. On va investir dès que possible. Donc, le samedi prochain, on va bien présenter tout le plan. Vraiment très bien. On a déjà préparé des choses. Ceux qui veulent investir, on va vous dire bah, comment faire et tout, où envoyer votre argent, tout ça. Donc, on va le faire dans le club. Quand vous intégrez le club, dès que vous investissez, vos 97 euros sont inclus dans l'investissement que vous allez faire. Okay? Moi, je ne vais pas vous demander de payer 97 euros tous les mois et puis en plus de ça, de venir investir en plus. Non, ce n'est pas le cas. Les 97 euros, c'est pour voir les plus motivés. Maintenant, ceux qui rentrent là, si vous investissez, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut lisser votre participation. Au lieu de 97 euros, peut-être qu'on va réduire. Okay, je vous explique, je vais vous expliquer bien dans les détails. Voilà. Donc, on va amortir ça. Ça va passer. Donc, dans un début, c'est 97 euros si vous prenez l'option Gold. Et puis, si vous investissez, forcément, les 97 euros vont quasiment disparaître. On est en train de voir comment on le fait. Donc, c'est que comment ça se passe dans le business club? Chaque mois, il y a un business qui est proposé. Chaque mois, on commence avec les transports. Et quand je dis un business qui est proposé, ce n'est pas je viens m'asseoir. Ah, les gars, vous savez, il faut qu'on investisse dans les transports aujourd'hui, hein? Ah ouais, mais c'est bien. Non, non, non. Il y a un plan bien structuré. Voilà comment ça va se passer. Ce mois-ci, on investit dans les transports. Voici le business du mois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, voilà. Voilà la somme dont on a besoin. 100 millions de francs CFA. Voilà qu'est-ce qu'on va faire. On va acheter 10 véhicules. Les véhicules vont rapporter telle somme, telle somme, telle somme. Notre objectif, c'est de passer de 10 véhicules à 20 véhicules. Donc, on va. Ça, en fait, comme une entreprise, hein, on va tout expliquer. Quand vous avez une idée d'entreprise, vous ne prenez pas ça pour aller déposer partout. Sachez que les Libanais nous infiltrent. Les autres communautés nous infiltrent. Et j'ai compris qu'il ne faut pas que je vienne tout dévoiler ici. Donc, chaque mois, il y a un business. Le mois prochain, on aura un business pour l'immobilier. Le mois d'après, on aura un business pour la restauration. Ça arrive. Donc, je suis en pourparler avec Dabali Express pour trouver. Le mois d'ensuite, on aura un business pour l'agriculture. Donc, il y a plein d'opportunités. Donc, si aujourd'hui vous ratez l'opportunité des transports, il y aura forcément une autre opportunité. Maintenant, je ne vais pas vous dire quelles sont les opportunités qui viennent. Tout ça se passe dans le club business. Donc, quand vous payez 97 euros, c'est pour avoir accès à toutes ces opportunités-là. OK? Pour vraiment filtrer les personnes avec qui on veut travailler. Les 97 euros pour l'option Gold ne vous donnent même pas accès au club, hein? Ça ne vous donne pas du tout accès au club. Quand vous payez, il y a un entretien avec un membre de l'équipe. C'est que nous avons le pouvoir de dire on ne veut pas travailler avec vous. Moi, je ne veux pas travailler avec tout le monde. Vraiment, je préfère travailler avec 10 personnes, 10 personnes sérieuses qui veulent vraiment faire les choses, que 1000 personnes qui vont venir bavarder, faire le Congo ça, monter ici, descendre. Non, ça, je ne veux pas. Vraiment, je ne veux pas. Mon temps, ça vaut de l'or. C'est beaucoup de choses que je fais et je préfère voilà, travailler avec les personnes bien, les personnes qui veulent aller loin. Donc, quand vous allez payer pour intégrer le club là, ça ne veut pas dire qu'on va vous accepter. Il y a des personnes qu'on a refoulées. Il y a des personnes qui ont payé, on a dit non, on ne veut pas travailler avec toi, tu n'as pas la bonne mentalité. Payer 97 euros là, mais tu nous donnes déjà mal à la tête. Donc demain, quand ça va être plus, toi, tu vas nous bousiller le truc. On ne veut pas, reste là où tu es. Ce n'est pas avec tout le monde on s'associe. On sélectionne les personnes avec qui on s'associe. Vous voyez? Donc maintenant, quels sont les avantages que vous avez en payant ce montant-là? Il y a deux options. Il y a l'option Gold et l'option Platinum. Dans l'option Gold, ah, quand je parle là, les gens ne comprennent pas. Bon, j'explique encore.
Il y a l'option Gold et l'option Platinum. L'option Gold, c'est 97 euros pour intégrer le groupe. 97 euros par mois. Encore une fois, c'est par mois. Maintenant, une fois que vous investissez dans un projet, hein, une fois que vous investissez dans un projet, vos 97 euros vont être lissés dans le projet. Donc, vous n'allez plus avoir besoin de payer ça. Donc, quand vous faites les 97 euros, vous avez accès à toutes les opportunités dont je vous parle ici. Il y en a beaucoup. Mais c'est des opportunités concrètes. Il y a des membres de l'équipe qui travaillent sur des business plans, qui mettent en place des business plans, qui mettent en place. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je travaille avec plusieurs entrepreneurs. OK? Les gens posent la même question. Bon, attendez, je vais boire de l'eau. Je pense que ce n'est pas encore clair. Si vous posez la même question. Vous voyez, il y a des Arabes là qui sont là. C'est pour ça que je ne peux pas venir tout dévoiler ici. Hein, ils viennent, clochard, ils se mettent plaisir. Toi, je te bloque tout de suite. Mais comprenez que nous sommes épiés. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas accepter que tout le monde entende ce que nous avons à dire. Là, je fais des vidéos, c'est bien. Je vous explique un peu tous ces projets aujourd'hui. C'est parce que vous êtes nombreux à vous poser ces questions-là que je décide de le faire. Mais sinon, normalement, on doit le faire en comité restreint. Et en comité restreint, le problème, c'est que je veux aussi éviter les gens qui sont là juste pour bavarder, qui ne veulent pas avancer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut qu'on avance. Même dans la communauté, ce n'est pas tout le monde qui veut qu'on avance. Il y a des gens qui aiment bien quand on est derrière. OK? Il y a des gens qui aiment bien. Futur désaliéné, on va en parler. Ah, il y a des gens qui aiment, qui ne veulent pas qu'on avance. C'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne à un moment donné à cacher un peu ce qu'on fait. Et vous avez été plusieurs pendant les lives à dire, mais Jean-Yves, c'est vrai, il faut créer un groupe, faut créer un groupe, faut qu'on puisse se mettre de côté pour pouvoir travailler ensemble et tout. Donc, c'est en ça que le club là-bas est intéressant. Donc, je répète, vous avez deux options dans le club business, l'option Gold et l'option Platinum. Dans l'option Gold, c'est simple. Pour intégrer l'option Gold, vous payez 97 euros par mois. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Supposons que vous payez 97 euros par mois. Je vais vous donner tout de suite, je vais vous donner tout de suite les avantages. Vous payez 97 euros par mois. Maintenant, on a un investissement dans les transports. Si dès le mois de juillet, vous investissez dans les transports, au lieu de payer 97 euros, ça n'a pas de sens de payer 97 euros par mois et puis d'investir. Donc, une fois que vous investissez, on va faire en sorte que les 97 euros soient intégrés dans votre investissement, que vous ne le sentez pas du tout. OK? Donc, au lieu de 97, on va même baisser, on va voir. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si vous n'avez pas investi dans un projet, c'est que vous avez entendu les transports. Vous payez 97 euros encore. On vous présente un autre projet le mois suivant. Vous n'investissez pas dans le projet, vous payez encore 97 euros jusqu'à ce que vous investissiez dans un projet. Ça, c'est pour pousser les gens. OK? Ça, c'est pour pousser les gens à investir. OK? Même si vous n'avez pas d'argent, on va voir comment on s'en sort pour le faire. C'est un club d'investissement. Donc, ça veut dire que vous avez une épargne, vous avez un moyen d'investir. Ce n'est pas un club de charité. Il y a des gens là qui viennent me dire, mais Jean-Yves, toi, tu fais ça, c'est un club élitiste. Non, ce n'est pas ça là, ce n'est pas le club pour ceux qui n'ont pas l'argent. Je ne vais pas vous mentir. Ça, moi, je veux des gens qui ont déjà un peu même 1000 euros à investir. OK? Donc, c'est pour des gens qui ont déjà un peu d'argent. Si vous n'avez pas d'argent, il y a des formations, il y a des moyens déjà de gagner de l'argent. Avec l'équipe, on est en train de travailler aussi pour voir comment aider ces personnes-là. On va permettre à ces personnes de pouvoir, du coup, comment je peux le dire, déjà commencer à gagner de l'argent. Donc, ça va être le premier niveau de la marche. Donc, on va vous faire des choses vraiment pas chères ici en Afrique et tout. Et une fois que vous arrivez à un certain niveau, vous allez basculer dans le groupe. Comprenez que quand je parle des projets, ce ne sont pas que des idées. Je travaille avec des entrepreneurs. Je vais chercher les idées moi-même. Je vais les récupérer. On les structure bien. Et puis maintenant, on vient vous apporter ça. Donc, pour le fait que je vous apporte ces projets pendant que vous êtes en train de siroter vos cocktails dans vos canapés, nous, on est en train de travailler. Vous comprenez? Pendant que vous regardez vos films Kongosa et tout ça, on est en train de travailler. Ce sont des gens qui sont là derrière, qui travaillent. Et ces personnes, il faut les payer. Donc, vous voulez qu'on fasse tout gratuitement, alors que c'est à des gens là, il faut payer ces personnes. Et ce n'est pas des gens qui sont là juste qui dorment, c'est des gens qui vont structurer les projets. Et chaque mois, on va emmener un nouveau projet. Vous comprenez? Chaque mois, il y a un projet. Les amis, il faut arrêter le gratuit. Il faut arrêter le gratuit. Le gratuit ne vous arrange même pas. Quelqu'un vient là, il vous propose des gratuits, c'est qu'il va vous arnaquer à la fin. OK? Donc,
Le fait qu'on demande que ce soit une adhésion payante, c'est pour pouvoir gérer cet apport-là et pour payer les gens qui sont derrière. C'est aussi simple que ça, parce que c'est toute une équipe qui est derrière, qui va gérer ça. Quand on va parler de vos business, c'est des gens aussi qui vont gérer. Donc, pour l'option Gold, vous avez accès. OK? Option Gold, je donne maintenant les avantages des clubs. Option Gold, laissez-moi même aller rapidement. Sans la fumée, là, j'espère qu'il n'y a rien qui brûle. Hein. Ça devrait aller. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Hein? Comprenez que tout le monde gagne dans cette histoire. Vous gagnez. On crée, moi, mon objectif, c'est de créer de l'emploi, pour ne pas vous mentir. Quand je vois un chauffeur qui est content de rouler, quand je vois un gestionnaire qui est content de gérer, quand je vois des gens qui sont contents de travailler sur les business que je propose, tout le monde gagne. On crée de l'emploi. Et soyez fiers de pouvoir profiter et de pouvoir être participatif de ça. Quand on va venir, les gens vont se focaliser. 97 euros. Waouh, il veut nous arnaquer. C'est pour ça qu'il dit travailler avec les Africains. C'est le plus dur. Vraiment, moi, j'aime les Africains. J'ai travaillé avec les Européens, j'ai travaillé avec les Américains, j'ai travaillé avec les Asiatiques. L'Africain est un est un être complexe, mais que j'aime énormément, vraiment. Il est dimanche, je suis au bureau. Et aujourd'hui, là, j'étais en train de travailler sur une autre option de business. Vous voulez que je fasse ça gratuitement tout le temps? Mon heure aujourd'hui, tout ce qui est compté dedans. Au lieu d'être en train de travailler pour une entreprise de Dubaï, je suis en train de travailler pour ça. Au lieu d'être en train de gérer mes business, je suis en train de voir comment structurer tous ces projets-là pour que la communauté pauvre puisse gagner. Donc, il faut apprendre, les amis, à rémunérer ceux qui travaillent pour vous gratuitement. Et ces personnes-là, je les paye de ma poche aujourd'hui. Il y a beaucoup là, vous êtes là, vous dites, ah, Jean-Yves, toi, tu fais des vidéos, tu vis de nos vues. Toi, tu es en Afrique, là, tes vues, ça ne rapporte rien du tout. Non, mais disons-nous la vérité en même temps. Les vues, là, ne rapportent rien du tout. Ceux qui pensent que, oui, il fait YouTube, donc il prend notre... Non, non, non. Ce n'est pas tes vues qui rapportent l'argent. D'accord? Les gens de la diaspora, encore, ils peuvent parler. Mais en Afrique, les vues, là, ça rapporte que dalle. Parce que tout simplement, il n'y a pas beaucoup de personnes. Il n'y a pas beaucoup d'annonceurs qui mettent des publicités sur les vidéos. Et tout ça, c'est pour payer toutes ces personnes qui travaillent dans les coulisses. Parce qu'il y a une équipe qui travaille dans les coulisses. Je vais vous montrer le siège très bientôt pour que vous puissiez voir qu'on est en train de travailler. Bon, j'ai bu de l'eau, je vais vous présenter maintenant les avantages du club et vous allez comprendre ensuite pourquoi nous facturons ça. Donc, vous avez deux options. Vous avez l'option Gold et l'option Platinum. Dans l'option Gold, vous avez accès à déjà toutes ces opportunités d'affaires dont je parle là. Je vous rappelle que chaque mois, il y a un nouveau business, il y a une nouvelle opportunité dont je ne parle pas forcément sur Internet. Donc, il y a une nouvelle opportunité. J'ai déjà là une bonne dizaine que nous sommes en train de ficeler, préparer. Quand je vous dis opportunité, ce n'est pas juste les amis, les gars, je passais et puis j'ai vu hein, une opportunité. Il faut investir. Hein? C'est des opportunités carrées. Il y a des opportunités au Ghana, dans le négoce. Je travaille avec des gens au Ghana avec qui on travaille. On est en train de préparer, on a un grand projet sur le e-commerce, mais une autre façon de faire le e-commerce en Afrique. C'est un autre projet. Ce projet-là demande 1 million de dollars. Mais on va y arriver. On travaille dessus. Il y a des projets ici en Côte d'Ivoire. Je vous ai parlé du Dabali Express la dernière fois. Pour ouvrir un restaurant, c'est 200 millions de francs CFA. Il faut pouvoir les mettre. Donc, si vous ne pouvez pas payer 97 euros, tous les projets-là, ça ne sert pas pour vous. Parce que je veux qu'on ait une force de frappe. OK? Je veux qu'on ait une force de frappe. Donc, quand on dit, les gars, il faut mettre 300 000 euros sur la table, bim, bim, vous mettez, et puis on avance. Et nous, on est là, moi, je suis là pour gérer les risques, je suis là pour tout gérer. Bon, allez, je vais à l'explication vite fait. Donc, le Gold, vous avez accès à la partie opportunité. Donc, vous avez des opportunités d'affaires par mois. On a au moins une opportunité d'affaires, sinon plus. Et nous avons aussi des réunions que nous faisons. OK? Donc, avec ces réunions-là, nous voyons bah, déjà comment avancent les projets sur lesquels on travaille. Et puis surtout, si dans le club, quelqu'un a un business qu'il veut, sur lequel il veut qu'on travaille, on choisit un business par mois parmi les gens du club. Et eux, et nous, l'équipe, on travaille en ficelle parce qu'il y a des gens qui ont
de comment ça s'appelle. Il y a des gens qui ont des idées, mais qui ne savent pas comment mettre sur papier ces idées-là, avoir les contours, les pourtours. On gère ça. C'est une forme de coaching collectif auquel tout le monde a droit. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis, troisième chose, vous avez aussi les contacts. C'est du networking. OK? Il y a du networking. C'est qu'il y a une dame, par exemple, qui dit, bon, elle veut ouvrir un salon de coiffure. Maintenant, elle demande, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à travailler dans le salon de coiffure? Est-ce qu'il y a des gens qui ont de l'expérience dans le salon de coiffure? Donc, s'il y a des gens dans le groupe, il y a tout là. Il y a des pharmaciens, il y a des médecins, il y a des gens, il y a des ingénieurs, il y a des travailleurs. Donc, il y a un peu tous les profils. Ça aussi permet d'avoir un certain networking. OK? Parce que sur Internet, là, on ne sait pas qui est qui, mais quand on se retrouve dans un club business, ça peut nous permettre vraiment de mieux nous connaître. Donc, ça, c'est les trois avantages de la partie gold. Vous avez la possibilité d'avoir accès à toutes les opportunités sur lesquelles on travaille. Vraiment, des opportunités approfondies. On a des opportunités dans le négoce qui vont venir très bientôt. Je vous réserve ça pour bientôt. On a des opportunités dans l'immobilier. Donc, si vous voulez, là, pour l'immobilier, il y a deux choses. Il y a un complexe hôtelier que je suis en train de construire à Jacqueville. Je peux ouvrir le capital à d'autres personnes. Il faut voir. Mais on va voir comment on gère ça. Pour l'instant, je veux le faire tout seul. Maintenant, seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Donc, je suis en train de voir si j'ouvre le capital. Ça, on parle de 150 millions de francs CFA pour ouvrir ce complexe hôtelier. Mais l'argent rentre rapidement. En 2 ans, on retourne sur nos investissements. Donc, il y a ça. Il y a le projet d'Abali Express avec 200 millions de francs CFA que nous voulons utiliser pour ouvrir un nouveau restaurant d'Abali Express. J'ai rencontré la directrice d'Abali Express récemment. J'ai vu leur compte, j'ai vu l'argent qui rentre. J'ai vu leurs dépenses, donc je peux assurer que c'est un business qui marche. Vous voyez, c'est le travail qu'on fait en amont. Je viens vous proposer des business qui marchent, dont on sait que ça va marcher. Donc, voici les avantages pour cette option Gold-là. Maintenant, l'option Platinum. Comme moi, j'aime beaucoup les voyages, je veux mettre d'autres choses dedans. Donc, l'option Platinum, vous avez tout ce qu'il y a dans le Gold, les opportunités d'affaires mensuellement, le networking mensuellement et tout. Mais par contre, vous avez plus. Par mois, on choisit, et par trimestre plutôt, on choisit une personne à qui on offre un billet d'avion vers la destination de son choix en Afrique. OK? Il y a des gens qui sont dans la diaspora, qui veulent venir en Afrique. Donc, ça peut être bien pour vous si vous voulez venir en Côte d'Ivoire pour vérifier tous ces projets-là. Par trimestre, on choisit quelqu'un, on paye le billet. On est en train de voir si on fait tout payer pour que la personne puisse venir, regarder et tout. Bien sûr, si vous voulez aller en vacances, c'est ça. L'autre avantage dans le Platinum, c'est que peut-être que vous avez un projet et vous avez besoin d'investisseurs. Dans le club business, c'est un pool d'investisseurs. Okay? Moi, je veux que ce soit des gens. Moi, je veux que ce soit des gens qui, les Africains, qui mettent l'argent en place. Donc, qui mettent l'argent. Si vous voulez qu'on travaille sur un projet pour vous, on le fait également. Ou qu'on investisse dans un de vos projets, on va le proposer au groupe. On va le proposer aux investisseurs. Si le projet est intéressant, après avoir travaillé, ils vont investir dedans. Voici la deuxième chose. Stephen qui dit, je réponds rapidement à cette question. On ne peut pas lever des fonds sans les autorisations boursières nécessaires. Non, nous ne faisons pas des levées de fonds. C'est un peu des associations. En fait, on utilise c'est des associations. Ce sont des gens qui ont des mêmes intérêts, qui décident de s'associer pour créer quelque chose. C'est comme des coopératives, OK? On n'est pas en train de parler de fonds d'investissement, ce sont des coopératives, c'est des gens qui ont la même vision, qui mettent de l'argent ensemble pour créer quelque chose. C'est en ça que c'est différent d'un fonds d'investissement, parce qu'un fonds d'investissement, il y a beaucoup, 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 okay, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut faire avant d'y arriver. Là, aujourd'hui, nous sommes organisés en coopérative, on met de l'argent, on lance un business, on a les mêmes intérêts, et puis on répartit les intérêts pour la communauté. OK? Et on répartit les intérêts pour la communauté. Donc, ce n'est pas encore un fonds d'investissement, mais l'objectif, c'est d'aller vers le fonds d'investissement. C'est un peu comme fonctionne la tontine, hein. La tontine, en gros, c'est qu'on met de l'argent pour aller ensemble. OK? Donc, et puis, il y a une personne qui prend. Nous, on ne va pas se dire que c'est une tontine ou quelqu'un prend. Comment je peux le dire? On se restreint pendant une année. On investit dans plusieurs projets. Et puis après, on va ouvrir, quoi. OK? Oui, c'est tranquille. Ça, c'est tranquille. OK? Est-ce que c'est clair? Vous avez vu les deux. Dans le premier, accès aux opportunités.
accès au networking, accès au business. Il y a quelque chose qui brûle. Bon. Accès au networking et tout ça. Et puis la deuxième partie, le platinum, en plus de tout ce qui est dans le gold, vous avez accès au financement de vos projets et à un billet d'avion pour la destination de votre choix en Afrique. On choisit une personne par trimestre. Comment intégrer le groupe? Je pense que le lien est quelque part ici. Mais est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Moi, je veux des gens qui veulent passer à l'action. Maintenant, quelles sont les garanties? Il y a des contrats qu'on signe. C'est ce que je dis aux gens. C'est un club privé. Il y a des contrats qu'on signe. Donc, avant de se lancer sur un business, on va vous faire signer des contrats. Vous allez comprendre les tenants et les aboutissants. On va avoir un compte bancaire qui sera ouvert où vous allez voir un peu quels sont les détails du compte bancaire. Vous allez voir l'argent qui rentre, vous allez voir l'argent qui sort. Vraiment, on va vous faire un truc transparent. Il y a des gens derrière qui vont travailler. On va travailler avec un fiscaliste, on va travailler avec un comptable, OK, en plus des gestionnaires. Et vous allez avoir tout ça. Moi, je ne suis pas là pour prendre votre argent pour faire je ne sais quoi. Le but, c'est d'avancer ensemble, les amis, et d'avancer en bonne intelligence. Ma priorité à moi, c'est de créer des emplois, OK? C'est de créer des emplois, permettre aux gens de travailler. Je suis content qu'un chauffeur peut nourrir sa famille de 5 enfants, par exemple. Je suis très content. Qu'un chauffeur puisse nourrir sa famille de 5 enfants, je suis content qu'un gestionnaire puisse gérer des véhicules. OK? Donc voilà. Ici, nous nous connaissons. Bon, je vois que les gens là, les grands fiscalistes là, les juristes, on est en train de recruter un juriste, hein? Donc si vous êtes juriste, vraiment, envoyez-moi un mail. J'ai déjà 2 personnes à qui j'ai parlé. Et donc, on va recruter un juriste pour bien cadrer ça. Encore une fois, les fonds d'investissement, les gens ne se connaissent pas. En fait, un fonds d'investissement, c'est quoi? C'est une personne. Ah, ça peut être un fonds d'investissement. Hein. On peut avoir toutes les. On va partir vers ça. Mais un fonds d'investissement, les gens ne se connaissent pas. Ils récupèrent de l'argent de quelqu'un ou de plusieurs personnes riches qu'ils réinvestissent après dans des startups. J'ai oublié de vous dire qu'on va aussi investir dans des startups. Voilà. Donc, ils investissent dans des startups. Ici, nous créons un groupe. Nous nous connaissons tous. Okay, c'est pour ça qu'on fait des réunions mensuellement. Nous nous connaissons tous, nous ne faisons pas qu'investir, mais nous apprenons aussi à mieux nous fédérer. Et on collecte de l'argent et on investit ensemble dans un projet. Aussi simple que ça. On investit ensemble dans un projet. Maintenant, c'est ce que je vous dis. Si, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Il y a un entretien d'embauche. Il y a un entretien. Ce n'est pas parce que vous allez vous inscrire, que vous allez payer, que vous allez forcément intégrer le groupe. Ce n'est pas que l'argent qu'on veut. On veut des gens qui ont une meilleure vision de ce qu'ils veulent pour l'Afrique. Un groupe de business angels. Moi, aujourd'hui, je suis business angel. Et ce que je veux, un business angel, c'est quelqu'un qui utilise son propre argent pour investir dans des entreprises. Moi, par exemple, j'ai investi dans Easybox. Easybox, je vous ai dit, hein, ce n'est pas mon idée. C'est un entrepreneur qui avait cette idée-là, qui l'a mis sur pied, qui avait besoin d'argent. Il est venu me voir, il m'a proposé ça. Je lui ai dit, bon, écoute, je vais te mettre 120 millions 120 millions de francs CFA. J'ai sorti les 120 millions de francs CFA de ma poche, j'ai investi dedans. Vous comprenez? Et j'ai pris le nombre de parts principales parce que j'ai mis quand même une bonne partie de mon argent. Et puis, c'est en train de grandir. Je vais récupérer cet argent à la suite. Il y a une autre application dont on a parlé. Un entrepreneur a vu, il a dit, bon voilà, il y a une application qui a l'air bientôt, on va investir. Donc, mon objectif, c'est d'investir dans la santé, c'est d'investir dans plusieurs choses. D'accord? Et c'est cette même chose-là. C'est un groupe de business angels, en fait, que je vais créer. Des gens qui ont leur argent et qui veulent monter des structures, qui veulent monter des entreprises, mais qui n'ont pas le temps de les gérer. Et nous, on va les gérer. Comment vont se passer les retraits, les dépôts et tout? C'est de ça que nous allons parler le samedi prochain. Nous sommes en train de penser à plusieurs options. OK, nous sommes en train de penser à plusieurs options. Forcément, il faut un compte bancaire où vous allez déposer l'argent. On va suivre tout ça. Et puis, vous allez aussi suivre tout ça. On est en train de voir le compte. Le problème ici en Afrique, c'est difficile d'avoir un compte où plusieurs personnes peuvent avoir vue sur le compte. En Europe, c'est simple. Mais en Afrique, c'est compliqué. Donc, on est en train de voir est-ce qu'on crée le compte en Europe où les gens virent leur argent et puis ensuite on le vire en Afrique. Donc, c'est tout ça qu'on voit. Mais dans un début, on veut commencer avec ce projet on veut commencer avec ce projet de taxi. OK? Ça, au moins, ce n'est pas compliqué. On va juste lever 90 millions. Et avec ces 90 millions, on va commencer. Donc, pour ceux qui veulent tester, ça peut déjà être un début. Vous pouvez être dans le groupe.
Même si vous dites que, bon, ouais, moi, je veux voir comment ça va se passer, vous intégrez le groupe, vous voyez tout, et puis ensuite, dans les autres projets, vous allez forcément intervenir. Donc, je vous donne la liste des autres projets à venir. On a le projet de construction d'un immeuble en collectif et en gestion de conciergerie. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, on va le faire. C'est un immeuble où, au lieu d'avoir votre maison principale, vous investissez dans une maison secondaire, un appartement secondaire. Nous, on construit tout, on fait la gestion, on s'occupe de tout. Et puis, vous venez 2 semaines, 1 mois, le temps que vous voulez, vous restez dans votre appartement. Et quand vous n'êtes pas là, on fait la gestion et puis ça vous rapporte de l'argent. Je vous rappelle que la CAN, c'est l'année prochaine. Donc, ça, c'est un projet qui va vraiment bien fonctionner. On a aussi le projet de Dabali Express. On veut ouvrir une branche de Dabali Express ici à Abidjan. Donc, on est en train de travailler pour voir comment est-ce que tout ça se passe. Pourquoi est-ce qu'on fait une interview même quand les gens payent? Mais parce qu'on ne veut pas travailler avec tout le monde. C'est tout. Moi, je ne veux pas travailler avec tout le monde. Il y a des gens, quand tu discutes avec eux, tu peux tout de suite voir leur mindset. OK? Donc, ces gens-là, non. Donc, ce n'est pas parce que tu payes que forcément tu vas être intégré le groupe. Ce n'est pas parce que tu payes, tu vas intégrer le groupe. Quand tu payes, on fait un entretien. Si tu ne corresponds pas à la vision des projets qu'on va avoir, à l'esprit communautaire, on va te dire non, merci, pas de souci, tu ne fais pas partie du groupe. C'est un groupe très sélectif, je vous dis, hein. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quoi? Il y a une trentaine de personnes seulement. On a reçu quasiment 2000. 2000 personnes qui veulent intégrer le groupe. Parmi ces 2000-là, il y a des gens qui payent, qui ne payent pas. Donc, vous allez voir que le prix, là, c'est déjà. Oui, ils vont repousser, mais voilà, ça, quand même, ça marche toujours. On se prépare pour ça. Donc, vous allez voir que dans les 2000 personnes, il y a depuis que j'ai parlé du club, il y a 2000 personnes qui voulaient intégrer le club. Et le fait que ce soit payant au début, ça a éliminé d'autres personnes. Naturellement, ça a éliminé d'autres personnes. Et maintenant, de ceux qui restent là, on fait encore un autre tri. Parce que je veux la crème de la crème. Les gens qui veulent vraiment avancer. OK? Est-ce que vous avez des questions? Voilà ma vision des choses. C'est un peu pour ça. L'organisation de la structure est floue. Comment ça? Il n'y a pas de contrat pour intégrer le business club. C'est pour lancer les projets qu'il y a un contrat. Si après paiement, il y a un refus, remboursement. C'est une intégration sans engagement. OK? Sans engagement. J'ai un problème, le mot là. Il n'y a pas d'engagement. Vous intégrez, si vous n'avez investi dans aucun business, vous pouvez dire, bon, voilà, moi, je sors. Il n'y a pas de souci. OK? Il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous avez investi dans un projet, forcément. Et si vous avez investi dans un projet, forcément, vous faites d'office partie du club, quoi. Donc, quand on fait l'entretien, on veut juste voir la version au risque. On veut juste voir la version au risque. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est prêt. Il y a des gens là, ils pensent que l'argent va se faire automatiquement. Non, c'est un risque. Il y a des risques. Donc, on veut bien jauger votre niveau de risque. Combien vous êtes prêt à perdre, par exemple, une entreprise. Il y a toutes les garde-fous. C'est pour ça, moi, je mets mon expérience de 12 ans en entrepreneuriat, salariat et tout, pour éviter qu'on fasse des erreurs. Maintenant, il peut arriver aussi qu'il y ait des trucs. Donc, qu'est-ce que vous êtes prêt à comment je peux le dire, à supporter comme risque? Donc, c'est tout ça qu'on voit. Et quelqu'un qui veut l'argent aujourd'hui et qui va lui rapporter des intérêts dès demain, on n'en veut pas aussi. Ce n'est pas lié primal ici, OK? C'est absolument pas lié primal. C'est des choses claires, précises. Vous avez vu les retours dont je parle. Ce n'est pas déposer 1 000 euros aujourd'hui et puis vous allez avoir 300 000 euros demain. Ce n'est pas ça. C'est des choses factuelles. Donc, on va vous faire des bilans. Voici combien on a généré en chiffre d'affaires et tout. Tout ça va se passer. OK, je mets un contact pour ceux qui veulent nous contacter. Voilà. Et pour ceux qui veulent intégrer le club, si tu veux te retirer du club, tu te retires quand tu veux. En fait, comprenez que le club, c'est une façon de trier les personnes avec qui je vais travailler. C'est tout. C'est une façon de trier les personnes avec qui je veux travailler. Donc, tu restes 1 mois et si tu vois que bah, tu ne veux plus, tu ne payes plus l'abonnement. Hein, tu ne payes plus l'abonnement et puis c'est tranquille. Je ne vais pas me fâcher. Voilà, je ne vais pas me fâcher. Donc, voici le lien pour le club et c'est là-bas que nous faisons tout. Vous allez vous remplir un petit formulaire. Et puis, vous allez certainement, voilà, aller sur une page de paiement pour vous filtrer. Si vous n'arrivez pas à payer, nous avons
Nous avons d'autres options, au mobile money, Wave et tout. Voilà. C'est vraiment pour filtrer, pour avoir les plus motivés. Et ensuite, on va voir le reste. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit là. Le contrat là, c'est avant de lancer un business. Ça, il n'y a aucun engagement. Bon, fou, là, on peut vous faire un contrat, mais il n'y a aucun engagement pour le business plan. Déjà, mais les gens qui commencent à me donner mal à la tête pour ça là, on les met en même temps de côté. J'ai donné, voilà, tout est là. J'ai déjà tout expliqué. Allez sur ce site pour ceux qui viennent de nous, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Allez sur ce site. Aujourd'hui, pour récolter l'argent, on a le choix entre Dubaï, entre l'Europe et l'Afrique. En Afrique, c'est très fébrile. Moi, je ne veux pas faire venir 100 millions de francs CFA tout d'un coup. Donc, on préfère faire transiter par un autre pays. Et à chaque fois qu'on a besoin, on fait des virements. Voilà un peu comment ça fait. Voilà un peu ce à quoi on est en train de penser. C'est tout. Et quand je dis ça, c'est pour le business qui vient. Ce n'est pas pour d'autres choses. Donc, on va commencer avec le business des transports. On va tout mettre en place. Et puis ensuite, on va aller. Donc, on ne va pas garder votre argent si vous n'êtes pas accepté, vous aussi. En fait, en réalité, pourquoi on fait ça? On avait pensé à faire les entretiens avant de payer. Mais vous imaginez, il y a 5 000 personnes qui veulent intégrer le groupe. Il faut faire 5 000 entretiens. On ne peut pas. On ne peut vraiment pas. On ne peut vraiment pas. Donc, ce qu'on fait, on se dit, bon, vous payez pour les plus motivés. On fait l'entretien. Vous n'êtes pas retenu, c'est 97 euros. Mais gars, 97 euros, ça ne va rien changer à ma vie. Donc, on va vous redonner votre argent. On n'a qu'à appuyer rembourser. Le système vous rembourse automatiquement et puis on s'en va, quoi. OK? Je prends quelques dernières questions et puis je pense que tout est clair. Vous avez le lien. Pour ceux qui nous ont pris après, je vais mettre le lien dans la description de ce live. Vous pourrez aller regarder. C'est tranquille. OK? Donc, il y a certains qui vont se dire, écoute, moi, je vais tester un mois pour voir. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, ce premier mois, on va commencer. On va commencer avec le business des transports. Vous allez voir un peu comment ça se passe. Si vous dites que vous ne voulez pas gagner de l'argent, moi, je ne vais pas vous poursuivre pour gagner de l'argent. Hein. Ah, je ne poursuis personne pour gagner de l'argent. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je veux juste travailler avec des personnes qui savent où ils vont. Les gens qui vont venir me donner mal à la tête, je n'en veux pas. Point barre. Oui, c'est ce que je dis. On va voir comment on fait payer à l'année aussi. On va voir. Rien n'est figé dans le temps. Hein. Rien n'est figé dans le temps. On voit comment on paye à l'année pour voir un peu comment ça se passe. Aujourd'hui, les pays que nous visons pour l'investissement, c'est d'abord et principalement la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que c'est le pays que je maîtrise le plus déjà. Et puis, voilà, il y a une histoire d'amour dedans. Ensuite, il y a le Ghana, juste à côté. Avec mon très bon ami, docteur Evans, dont j'ai parlé ici, il est venu sur la chaîne plusieurs fois. On a plusieurs projets au Ghana, en l'occurrence dans le négoce. On fait de l'import de sardines. Je ne suis pas très pour les business d'import, mais en tout cas, ça marche. On fait de l'export de la noix de cajou. De l'export de la noix de cajou, il y a énormément d'argent dedans. On fait du négoce. Donc, tout ça, on va travailler dessus. Il y a aussi des projets au Kenya, des projets immobiliers. Il y a le projet de la livraison. Donc franchement, si c'est les projets-là, seulement il y en a. Ne vous en faites pas. OK? Allez sur ce site-là pour ceux qui viennent de nous rejoindre parce que j'ai l'impression que je vais tout redire. Il y a toutes les informations dessus sur le club. Je pense que je vais faire une petite vidéo qui va synthétiser tout ça. Ou bien cette vidéo sera disponible et vous allez pouvoir facilement comprendre tout ce que je viens de dire. Le Nigeria, il y a beaucoup d'argent à se faire, mais c'est No man's land. So, voilà. Et le Ghana, je connais et j'ai quelqu'un qui a des ramifications un peu partout au Ghana. Donc, voilà, ça va nous éviter beaucoup de choses. Les impôts, vous allez gérer les impôts dans les pays dans lesquels vous êtes. Hein. Nous, tout se passe en Afrique. On paiera les impôts sur l'entreprise. Mais quand on va se verser des dividendes, vous comprenez bien, c'est une entreprise. Donc, on va se verser des dividendes. Donc, quand on se verse des dividendes, c'est tranquille. Le nom de mon entreprise, c'est l'investisseur africain ici en Côte d'Ivoire. Vous pourrez vérifier. Maintenant, on est en train de créer une autre entreprise qui va s'appeler investisseur africain tout court. On est en train de prendre une forme de coopérative pour simplifier les choses. Sur le nom de mon entreprise, c'est l'investisseur africain. Tout est vérifiable. Vous avez le LinkedIn pour ceux qui veulent vérifier, pour voir un peu mon parcours. Vous avez tout.
Tout le monde peut investir, peu importe le pays dans lequel il vit. OK? Les désistements, qu'est-ce que tu entends par désister? Vérifier tout. Il n'y a rien à cacher. Ça fait quoi? Un peu plus de 2 ans que je suis sur YouTube, 2 ans et demi. Je pense qu'on a pris le temps de se connaître. Bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que vous allez prendre le temps aussi de le faire. Et je comprends, hein, je comprends qu'il faut être méfiant parce qu'on s'est tellement fait arnaquer, c'est clair. Et tout est clair, on fait signer des contrats avant les investissements. Il faut que chacun sache un peu où il met les pieds. Et puis, voilà, le but, c'est qu'on puisse tous gagner de l'argent. OK? Donc, si vous avez des projets que vous voulez faire financer, par exemple, vous pouvez aussi intégrer le club, mais des projets qui valent la peine. Donc, c'est dedans qu'on va avoir tout. Donc, quand je dis, il y a des projets qui peuvent être financés à hauteur de 100 000 euros. Tout dépend de la pertinence de votre projet. Par exemple, si vous aviez un projet comme Dabali Express, par exemple, que vous avez besoin de plus de financement, j'allais dire, bon, on met les 100 000 euros dedans. Moi, je lance un concours très bientôt, je vais le proclamer la semaine prochaine, où je donne 20 millions de francs CFA à des entrepreneurs. Mon autre objectif, c'est d'investir dans les startups. Je suis un business angel. Donc, je veux retrouver des startups dans la pharma, en tout cas dans des secteurs clés de l'économie africaine dans lesquels je vais investir personnellement. Ça, c'est mon argent à moi. Donc, je mets 20 millions de francs CFA sur la table. Le premier aura 10 millions, le deuxième aura 5 millions, le troisième aura 3 millions, puis on aura un prix féminin. Donc, voilà, ces projets-là, je vais financer. Et si demain, ces projets ont besoin de d'autres personnes qui veulent venir aussi les financer, on va le faire. Ce n'est pas de la charité. La charité ne marche pas. OK? Les aides ne marchent pas. On prend des parts dans ces entreprises. Tout est signé, tout est légal. Le siège, je vais le présenter la semaine prochaine, comme on dit, Inch'Allah. Il y a des travaux qu'on est en train de faire dedans, malheureusement. Mais voilà, on est en train de le faire là. Le siège, on va le présenter la semaine prochaine. Comme ça, si vous voulez venir voir, tout ça peut vous rassurer, quoi. Et voilà. Les sardines, on les prend au Maroc. On a un contrat avec l'État marocain pour les sardines. Donc, on a des conteneurs qu'on récupère au Maroc, on fait partie au Ghana. C'est un peu de là que viennent un peu tout la plupart des sardines consommées en Afrique. Et comme j'ai fait le Maroc, j'ai des contacts là-bas et ça facilite les choses. Donc il y a beaucoup de projets. Si ce sont des projets, c'est cool. Maintenant, une seule personne, moi je fais ce que je peux à mon niveau. J'ai EasyBox, j'ai les transports, j'ai l'immobilier, j'ai le parc hôtelier, j'ai tout ça. Maintenant, seul, je peux aller vite. Je vais simplement. Vraiment, personne ne me casse la tête. Maintenant, si on veut aller ensemble, on va aller plus loin. Mais par contre, pour aller plus loin, il faut s'associer avec les bonnes personnes. Et c'est l'objectif de ce club business. Bon, voilà. Je pense que tout est clair, les amis. Je pense que tout est clair. Shelmy 01, aucun projet n'est imposé à personne. OK? Aucun projet n'est imposé à personne. Nous, ce qu'on fait, on propose les projets à tout le monde. On dit, voici le projet. Qui veut investir dans le projet? Et ceux qui veulent investir, ils investissent. Maintenant, quand vous allez investir, on va sortir le projet du club business. Maintenant, ceux qui vont, peut-être vous allez même, on va le présenter à tout le monde. Aucun projet n'est imposé. C'est pour ça que j'ai créé un club business. Parce que si je me disais que tout le monde était obligé d'investir, ça allait être contraignant, on ne va pas s'en sortir. Chaque mois, il y a un projet qui veut investir, la personne investir. Il y a des numéros WhatsApp pour nous joindre. Je vais vous les donner. Où est-ce qu'il a mis les numéros WhatsApp là? Attendez. Bah, je vais mettre tout ça dans les commentaires ou dans la description de cette vidéo que vous puissiez voir. Est-ce que j'ai ça ici? Attendez que je mette dans le chat. Le truc, c'est que j'utilise mon téléphone pour faire la webcam. Donc, si j'utilise le téléphone, je n'aurai plus la webcam. Et attendez, je retrouve les numéros. Donnez-moi 1 minute. Je vais regarder là. Ah, ils sont là. Donc, je vais écrire. Donc, il y a des numéros pour nous contacter. C'est le plus 225 07 49 15 24 04. Voilà. Contact. Plus 225. Pour nous contacter par WhatsApp de préférence. Après, si vous voulez la voir, il y a quelqu'un qui va prendre votre appel.
et la personne va vous indiquer un peu tout ça. OK? Donc, écoutez les amis, la consigne que j'ai donnée aux membres de l'équipe est simple, hein. On vire toutes les personnes qui nous font chier. Si vous savez que vous êtes un fouteur de troubles, ne venez pas dans le business club parce qu'on va vous virer. Et encore une fois, peut-être que vous allez aller dire partout, oh, j'ai intégré le groupe, on m'a viré. Non, voilà, je sais que les Africains, on est champions quand il s'agit de parler beaucoup. Donc voilà, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Ce n'est pas tout le monde qui comprend. Donc si on ne vous a pas pris, ce n'est pas grave. Okay? C'est parce que tout simplement, on n'a pas la même vision. Vous allez certainement trouver d'autres personnes avec qui vous avez la même vision, vous travaillez avec eux. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Hein? C'est sans rancune, c'est sans problème. Moi, ce que je veux, c'est des projets concrets pour faire avancer les choses, pour faire avancer le groupe. Je ne veux pas. Que signifie vous faire chier? Là, vous êtes en train de me faire chier. Non. Mais il y a des gens, même dans l'entretien, tu vois que c'est normal de poser des questions, c'est normal d'émettre des critiques. Je n'ai aucun souci avec les critiques et tout. Mais il y a des gens, vous sentez qu'ils sont venus chercher la petite bête, en fait. Si vous venez chercher la petite bête, ça va être compliqué. Moi, je ne veux pas m'associer avec tout le monde. Si je m'associe pas avec les gens, je fais mes business seul, tranquille, j'avance. OK? C'est parce que vous avez été derrière moi. Oh, là, 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 vous faites les business seul. Vous ne voulez pas qu'on fasse ensemble. Maintenant qu'on vient dire, venez faire ensemble. Oh là là, mais ce que vous demandez, c'est trop. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Oh là là. Bon, je pense qu'on est bon, les amis. Merci d'avoir suivi ce live. Que nous allons faire maintenant, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. La sécurité des transactions, tout ça, c'est pris en compte. Tout ça, c'est pris en compte. Vous savez, un projet comme ça prend du temps, hein, avant de mettre en place. J'ai pris, on, et on, ça prend du temps. Et là, on est toujours, et puis il y a plein de trucs juridiques là. Donc, c'est forcément, ça prend du temps. Donc, il y a les gens quand ils vont intégrer, mais oui, on a intégré, mais on s'est rendu compte, les Africains, quand il s'agit de critiquer. Bon, je pense que tout est clair. Vous avez tous les liens pour rejoindre le groupe. On se retrouve ce samedi dans le groupe. Et ce samedi, je vais très bien exposer le business des transports. Où est-ce qu'on va? Comment ça va se passer concrètement? Quel va être le plan de rémunération, mais vraiment pour vous donner une très bonne vision. Et on va faire pareil pour chacun des projets. Ce n'est pas juste, ah, il y a cette idée de business. Non, non, non. C'est très élaboré. Donc, on va faire pour Yango, c'est ça. Et pour Yango, on va avoir besoin, on va avoir besoin de chauffeurs. Donc, si vous connaissez des gens, des chauffeurs et tout, demandez-leur d'envoyer leur CV à recrutement@l'investisseurafricain.com. Et ça, je vais faire une vidéo où je vais en parler. Je vais faire une vidéo où je vais en parler. Je vais faire une vidéo où je vais en parler. Tous ceux qui ont peur de perdre de l'argent, tous ceux qui ont peur d'investir, tout ça, ne rejoignez pas le groupe, OK? Si vous avez trop peur d'investir, ne rejoignez pas du tout le groupe, OK? Gardez vos 97 euros, allez manger des Burger King, des shawarma avec ça. Ou de la checker, mais ne rejoignez pas le groupe, OK? Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. TBCL, tu peux nous envoyer un message, comme ça on va parler. Tous ceux qui connaissent des chauffeurs là, dites aux chauffeurs qu'on en cherche, et je vais marquer ici l'adresse, mais des chauffeurs sérieux. Hein. Je prends des gens qui ont 3 ans d'expérience. On va contacter leur ancien boss, OK? Donc 3 ans d'expérience minimum, et qui ont des références et de l'historique. On va contacter tous ceux-là pour être sûr que, encore une fois, que même les chauffeurs, ce sont des gens sérieux. Je vous mets rapidement le mail encore. Et est-ce que c'est donc. Envoyez à tout ça, et puis on va gérer après. OK? Donc, si vous connaissez des chauffeurs, envoyez à contact@investisseurafricain.com. Demandez aux chauffeurs d'envoyer leur CV. On va les appeler. Et puis, on va gérer. Pour ceux qui demandent c'est quoi le projet Yango, regardez le début de comment ça s'appelle. Regardez le début du live et vous allez comprendre tout ça. Bon, est-ce qu'il y a une date limite pour rejoindre le groupe? Le truc, c'est que le projet des transports, on en parle samedi. On va finaliser ça samedi. Donc, samedi, je propose le projet. On dit qui veut investir, ceux qui veulent investir, on va décider ça le week-end prochain. C'est-à-dire maximum d'ici la fin du mois de juillet, on lance ce projet-là. OK? Ça, c'est le premier projet qu'on lance. On le lance et on avance.
Voilà, je pense que le minimum de fonds à investir, je pense que ça va tourner autour de 1500 euros. Ouais, ça va tourner autour de 1500 euros. Je vais enregistrer une vidéo d'accueil, mais il y a à Mané, Kwaku Paul, il y a un entretien d'accueil. Donc, certainement, dans le mail de quand, en fait, le processus, c'est que quand vous prenez l'abonnement pour le club business, vous recevez un mail avec un lien pour prendre un entretien. Parce qu'on veut que ce soit le plus personnalisé possible. Donc, chacun aura un entretien avec un membre de l'équipe. Parfois, quand j'ai un peu de temps, moi-même, je fais les entretiens. Mais sinon, c'est un membre de l'équipe qui le fait. OK? Et un membre de l'équipe fait. Et à la suite de l'entretien, on vous dira si vous pouvez rester dans le groupe ou pas du tout. Aussi simple, c'est sans rancune. D'accord? Si vous n'êtes pas retenu, ce n'est pas grave. Il y a d'autres groupes auxquels vous pouvez appartenir. Si vous êtes retenu, c'est important de pouvoir aller vers la vision du projet. Je vais donner tous les détails du projet pour les transports le samedi prochain. Les parts, combien va coûter la part et quels vont être les revenus, combien on espère gagner le mois prochain. Ce sont des données confidentielles. Il y a des gens ici, là, qui n'attendent que ça. Eh bien, c'est le mardi prochain que je vais, le samedi prochain dans le club business. Je vais partager toutes ces informations. Vous aurez une vision claire. Et puis, ceux qui veulent investir, ils investissent. On vous donne le compte bancaire pour investir. Et puis, c'est parti. OK? Bon, allez, merci les amis. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Je pense que je vais refaire un autre live dans la semaine pour parler de d'autres sujets. Voilà. Portez-vous bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer les questions à contact@investisseurafricain.com. L'adresse email, c'est celui-là. Je vous ai mis les numéros de téléphone que vous pouvez contacter. Je vais vous présenter le siège dans les prochains jours. Vous pourrez même venir au siège si vous avez des questions et tout. Et si vous voulez investir dans les Yango, écoutez les gars, venez investir dans les Yango avec nous et nous allons vous permettre de gagner de l'argent en toute sécurité et de façon totalement passive. Les critères pour investir, pour intégrer le club, ben, c'est ça qu'on voit dans l'entretien. Il faut déjà être quelqu'un de sérieux. C'est difficile d'identifier ça dans un entretien, mais on arrive quand même à le voir. Il faut aussi être quelqu'un qui ne veut pas, qui n'a pas peur d'investir. OK? Mais quand je dis peur, on va voir votre niveau de risque. Quel est le niveau de risque que vous êtes prêt à perdre, le niveau d'argent que vous êtes prêt à perdre. Et puis, on va voir tout ça dedans. En tout cas, tout ça, on voit ça pendant l'interview et on vous donne clairement toutes les idées pour pouvoir vraiment comprendre où on va partir. Et si vous avez des chauffeurs que vous connaissez, envoyez leur CV ou dites-leur d'envoyer leur CV à contact@investisseurafricain.com. Les amis, ça, c'est une aubaine pour vous permettre de gagner de l'argent de façon passive et de multiplier vos revenus. Ce dont je rêve, c'est que vous soyez des personnes qui aient des parts dans plusieurs business. On dilue le risque ainsi. Donc, vous avez des parts dans le business des transports, des parts dans le business de l'immobilier. L'immobilier, c'est un business. Me casser la figure dans l'immobilier, c'est que vraiment, c'est quelque chose. Mais sinon, l'immobilier, s'il y a quelque chose que je maîtrise, c'est ça. Donc, des parts dans l'immobilier, des parts dans la restauration. Donc, il y aura plusieurs parts comme ça. Et ça vous permet d'avoir plusieurs sources de revenus à un certain moment. D'accord, les amis? Et la semaine prochaine, je vais aussi lancer le concours du meilleur entrepreneur africain. Comme ça va permettre aussi à des jeunes qui veulent investir dans des startups, eh bien, de pouvoir avoir un financement pour investir dans leur startup et dans leur projet. Bon, je commence à dire la même chose. Ça veut dire que j'ai fait un peu le tour. Envoyez les CV des chauffeurs à contact@investisseurafricain.com. Ça va être des emplois que nous allons créer et tout le monde va en profiter. Bonne fin d'après-midi à tout le monde. Et il y a de belles vidéos qui viennent la semaine prochaine, ne les ratez pas. Et puis on se fera un autre live très bientôt. Et ceux qui ont des projets, je vous dis qu'on va lancer le concours du meilleur entrepreneur ou bien vous intégrez juste le club business pour pouvoir espérer avoir un investissement dans votre business. Voilà. Bon, au revoir et puis merci à tous, merci tout le monde pour tout. Et franchement, les amis, c'est le temps d'arrêter de bavarder et de passer à l'action, OK? Donc, tous ceux qui veulent vraiment passer à l'action, c'est le moment. Je ferai de plus en plus de lives comme ça pour vous dire bah, de qui on a besoin, de quel profil et de plein de choses. Et comme ça, tout le monde pourra y participer. D'accord? Merci et bonne fin de journée. On n'est plus là pour les amusements, on est là pour le vrai, le concret maintenant. Allez, à plus!